Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comment ça va au niveau de la musique? Est-ce que tu peux me dire si par rapport à la voix? Ok, parfait, bah, très bien. Je me cale sur ce paramètre-là. Parfait, bon. Pour l'instant, pas de spectateur, pas de spectatrice, si ce n'est toi. Bon, de toute façon, il est à peine 20h. Donc j'ai changé la radio pour prendre quelque chose d'un peu plus. Oui, j'arrive un peu plus tard. Mais bon, moi après, j'ai pas envie de faire trop tard au niveau du stream. Donc j'ai changé la radio parce qu'on m'avait dit oui que la précédente était bien, mais qu'il y avait différents types de styles et que parfois, du coup, ça perturbait. Là, normalement, c'est une radio qui est un peu plus orientée façon lounge, Video Game Studio. Donc des rythmes un peu moins bibou. Voilà, avec ma voix par-dessus, ça devrait moins perturber. Mais j'ai gardé les musiques de jeux vidéo, parce que comme après, c'est le concept aussi. Ouais, c'est le concept du stream aussi, de matiner ça avec du jeu vidéo. Je voulais garder quelque chose de vidéo ludique derrière, donc. Hop! Et comme ça, au moins en attendant, on peut voir mes jolis fonds d'écran. Le petit chou, le petit chat. Ah bah, le petit chat, il est passé derrière, mais là, il est à la gamelle. Quand il reviendra, peut-être, on verra. Je l'attraperai, il y aura un petit moment chou. Bon. Hop, alors. Je regarde que tout est en ordre de mon côté. Bah, ça me semble bien. Parfait. Bon, de toute façon, je vais commencer. Et puis, comme ça les fera venir. C'est comme pour les cours. Et puis, hop. Alors, ce soir, j'avais envie de parler de récursion en linguistique et dans le domaine du jeu vidéo, qui est un phénomène très intéressant en linguistique, mais également dans le cadre vidéoludique, puisque ça fait partie du concept général de répéter, de refaire avec de la variation. Alors, en sachant que la récursion, ce n'est pas seulement en linguistique généralement de la simple répétition, mais également de la répétition dans de l'intégration. Donc il y a deux phases. Normalement à ça, il y a d'une part on répète une structure et d'autre part on intègre la structure répétée dans une autre structure identique. Il y a un petit côté fractal dans la récursion en linguistique que je trouve intéressant. Et dans le domaine vidéoludique, la répétition est généralement de mise. Comme on va le voir avec le jeu de ce soir, le P-Row, qui est un peu le jeu par excellence pour parler de récursion. Et donc, pour parler de récursion, je vais parler, une fois n'est pas coutume, je vais faire un peu de promo de ma monographie, que je rapproche de la caméra. Ah, le pronom déterminant relatif lequel? C'est moi, c'est mon nom ici, là par là. Ici. Qui est en fait ma monographie de thèse de doctorat, donc
que j'ai préparé entre 2012 et 2017, que j'ai soutenu en 2017, et le livre est sorti en 2019, après réécriture, parce qu'une thèse, généralement une thèse de doctorat, ça ne se publie jamais tel quel. Il y a toujours une phase de réécriture, alors réécriture parfois par rapport au conseil des jurys, hein, du jury de soutenance qui fait un retour intéressé et qui suggère telle ou telle modification, approfondissement. Il y a des questions de longueur aussi. Hein, là, la monographie en termes de caractère, ça doit représenter quelque chose comme peut-être entre les trois quarts et la moitié du volume original de ma thèse. Donc il a fallu couper beaucoup, beaucoup d'éléments. Parfois à regret, puisqu'on travaille longtemps dessus, mais ça, le propos du coup gagne en densité et en intérêt. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut éliminer ce qu'on appelle l'effet thèse. Donc le côté, la thèse, c'est une écriture qui est très, selon les disciplines et les sous-disciplines, qui est très cadencée, très codifiée, et elle se prête pas nécessairement dans le cadre de la lecture d'un livre comme celui-ci, dans lequel on va davantage picorer, et donc on peut faire l'économie de certaines formules introductives et de récapitulation, etc., qui empâtent, hein, plus ou moins sur le sur le style, quoi, sur le propos général. Donc avant de rentrer un peu dans le chapitre que je voulais commenter ce soir, je voulais parler un peu du livre, voilà, qui est sorti en 2019 aux des éditions Classique Garnier, qui est disponible à la vente, en bibliothèque. Bon, c'est pas une, ça sera pas la révolution littéraire de l'année ou de l'année prochaine, mais voilà, c'est la première étude approfondie sur ce sujet. Et ça manquait dans le cadre des études de l'histoire de la langue française. Ça fait un peu... Alors, c'est vrai qu'en relisant et quand je retombe sur le titre, quand je fais mon CV ou que je vois dans ma bibliothèque le livre, je trouve que ça fait très vraiment titre de thèse, tel qu'on s'en moque en fait, vraiment. Comme depuis... comme dans les films, par exemple... évidemment, on a tous en tête Le Goût des Autres avec les chevaliers paysans du lac de l'Anmille, de lac du Paladru. Bah moi, c'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire de la langue et c'est du pronom déterminant relatif lequel, hein, en français préclassique et classique. C'est-à-dire que j'ai consacré 5 ans de ma vie, à peu près 5 ans de ma vie, plus ou moins, hein, pas que, mais beaucoup, à travailler sur un seul et unique mot de la langue française d'il y a 400 ans. Alors, ça peut effectivement paraître vain, et il va de soi sans doute que il y a moins de gros mots que certains types de thèses et mémoires qu'on voit passer. C'est vrai qu'encore tous les termes du titre restent compréhensibles pour le profane comme pour l'impétrant. Il n'y a pas de termes un peu trop complexes. Après, il y en a d'autres un peu plus complexes qui peuvent paraître un peu plus complexes dans l'économie de l'ouvrage. Mais c'est assez simple, parce que de toute façon, moi, j'étais... C'est un livre de spécialité, mais c'est vrai que... bon, je suis pas fan non plus absolu de l'écriture jargonnante, même si elle est nécessaire par endroit pour pouvoir dire ce que l'on a envie de dire. Mais bon, ça reste, je pense que c'est quand même un texte qui reste accessible, y compris lorsque l'on n'est pas forcément versé dans la grammaire, dans les sciences du langage, dans la syntaxe. Je pense que c'est accessible, ça se destine en priorité à un public estudiantin, première, deuxième année et après, évidemment, aux spécialistes, mais... je pense, voilà, que pour peu que l'on s'intéresse au sujet, si intérêt il y a, on puisse le lire assez, assez facilement. Et donc, voilà, ça peut prêter à sourire le fait d'avoir passé autant de temps à travailler que sur un et un seul mot de notre langue, mais en fait, c'est un mot qui est
qui est un peu catalyseur puisqu'il permet de parler de plein de choses différentes. Donc on dirait en fait que le thème du sujet est très réduit, et il l'est vraisemblablement, mais c'est vraiment une porte d'entrée qui nous permet après d'aborder plein de choses sur la langue de l'époque et sur la langue contemporaine. Et donc, in fine, de rentrer par la petite porte pour voir le bâtiment dans sa totalité. Ce que je trouve, enfin, ce que j'aime aussi dans ce texte, alors évidemment, bon, j'ai un rapport très compliqué avec ce texte puisque voilà, il m'a fait souffrir par endroits, mais je suis très content qu'il existe, et puis maintenant j'en suis comme détaché aussi. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'y revenir ce soir, parce que d'habitude, enfin, je ne l'ai pas relu en détail depuis sa publication, parce que je l'ai beaucoup lu d'une part, et aussi parce que souvent, quand j'en ai besoin, c'est pour citer les pages où je parle de tel ou tel aspect, donc voilà, dans un article ou dans un autre ouvrage, j'y reviens. Mais du coup, je trouve ça très intéressant dans la mesure où il permet vraiment de faire une somme sur un sujet en particulier, somme qui n'existait pas encore. C'est-à-dire où il y avait plein de petits éléments éparpillés un peu partout, dans beaucoup d'ouvrages. Les résultats que je montre dans l'ouvrage ne sont pas spécialement nouveaux, dans le sens où personne n'y avait jamais pensé, mais disons que je les illustre et je confirme des hypothèses et des idées, voilà, qu'il y avait auparavant, mais qui n'avaient jamais été démontrées empiriquement. Donc ça me permet d'apporter, voilà, un arrière-plan solide à toutes ces théories-là, et puis chemin faisant d'apporter de la nuance ou des éclairages sur des aspects qui n'avaient pas été vus ou moins, dont on avait méjugé leur importance. Donc moi, ça me permet de m'y plonger davantage. Et puis surtout, je voulais le lire, je voulais lire au moins une fois ce premier chapitre introductif, l'une des parties introductif de l'ouvrage, parce que c'est une somme sur la subordination relative, qui est un gros morceau dans les langues qui disposent de subordonnées d'une part et de subordonnées relatives de l'autre. C'est un gros morceau, et c'est très difficile de trouver un texte en fait qui fasse un résumé pratique et pour ainsi dire voilà, efficace de cette question compliquée qui demande énormément de points de vue différents, de confrontations. Encore aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, en français comme en anglais, de théorie globale sur ce phénomène de langue. C'est-à-dire que chacun y va de son petit modèle et chacun y va de sa description, selon ce qu'il a envie de montrer et selon son propos, mais il manque encore des ouvrages fondamentaux qui abordent l'objet sous tous ses sens, quoi. C'est-à-dire que tout récemment, par exemple, je reviens, où l'ai-je mis, il est là, tout récemment, l'année dernière, est sorti par exemple cet ouvrage de Pierre Le Goffic, hein, La grammaire de la subordination en français, chez Ofris, qui est une belle somme que, voilà, que j'ai commencé à noter, à photocopier sur la subordination relative, mais c'est plus un texte, on va dire, de sémantique grammaticale ou de grammaire phrastique, en laissant de côté d'autres aspects liés à la textualité, par exemple, ou à la morphologie. Et c'est une théorie, du reste, qui reste très franco-française et qui ne développe pas, après, d'éléments en dehors de la langue française, alors qu'on trouve de la subordination en anglais, en allemand, en espagnol, dans d'autres langues du monde moins étudiées. Et même si l'ouvrage est très pratique, bon, c'est, voilà, ça reste très lourd et il n'y a pas de petites sommes qui permettent de décrire tout ça. Je voulais surtout un texte qui me permettait d'avoir un résumé, voilà, assez net de ma problématique. Et donc,
Finalement, j'ai trouvé que ce texte-là, à tout prendre, était peut-être le meilleur pour aborder ce type de questions. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lire et regarder l'un des premiers chapitres introductifs, parce que c'est une introduction en plusieurs parties. Hein, donc, hop, on va basculer sur Adobe Reader. Ça, c'est le PDF de mon texte. Donc, les épreuves telles qu'elles ont été données à l'éditeur jadis. Donc, le livre est disponible à l'éditeur. Et c'est une version identique à la version que l'on peut trouver en bibliothèque ou en librairie. Et donc, moi, je vais m'intéresser à la partie 1-1-1, si je puis dire, de mon texte. C'est-à-dire, si je retombe sur la table des matières, qui se trouve comme de juste à la fin de l'ouvrage, moi, je ne vais lire ce soir que cette petite partie-là. Lire et commenter que cette petite partie-là, et ça fera déjà une bonne heure, je pense, entre une grosse demi-heure, 45 minutes, une heure. Donc, comment s'organise l'ouvrage? Il y a une première partie historique introductive qui fait plus l'histoire du pronom lequel que j'étudie aux yeux de l'histoire de la grammaire, et notamment de la grammaire classique, puisque je me place au XVIIe siècle. Et ensuite, j'ai une première grosse partie introductive, cadre d'analyse, qui présente mes a priori analytiques, les traditions grammaticales de langue dans lesquelles je me place, et les problématiques finalement que je vais aborder. Lequel finalement, mon objet, il a deux faces, c'est un objet bifront, et c'est ça qui m'intéressait. C'est qu'il a d'abord un statut syntaxique particulier sur lequel je vais revenir, celui du pronom relatif. Le pronom relatif, c'est par essence l'objet qui autorise la récursion phrastique en langue française, l'un des objets qui autorise ça. Il y en a plusieurs, mais les pronoms relatifs sont un des outils privilégiés pour ce faire. C'est un cas particulier puisque les relatifs se situent dans un champ de subordonnées, voilà, dans lequel il faut les trier, et au sein de ces subordonnées relatives, donc de cette sous-catégorie, il y a des sous-sous-catégories qu'il faut étudier. Donc ça aussi, c'est problématique. Et puis, deuxième aspect de l'objet, c'est une anaphore. Ça, c'est plus ou moins propre au pronom relatif, mais avec des précautions. Je rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais tous les pronoms relatifs ne sont pas anaphoriques. Et l'anaphore, c'est un point crucial de la construction d'un texte. Une anaphore, j'en ai fait un article sur le site Question de langue, sur l'anaphore en grammaire de texte, c'est un des derniers articles. C'est une expression linguistique dont l'interprétation dépend d'une autre, située en amont ou en aval. Donc à chaque fois qu'on utilise un pronom comme il, celui-ci, qui, plusieurs, j'en veux plusieurs, etc., on se retrouve avec des mots qui, pour être compris, doivent nécessiter un autre mot un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle des antécédents. Et donc, ça y crée une chaîne entre les deux, un lien entre les deux qu'on appelle un lien anaphorique. Et donc, lequel est par excellence une anaphore. Le truc, c'est que du coup, l'anaphore, dire que c'est une anaphore, ce n'est qu'une partie du problème, puisque du coup, ça oblige de se poser des questions liées à sa référence, liées à la cohésion, liées à la cohérence. Donc, là aussi, j'ai fait des trades linguistiques sur ces notions-là, auxquelles je vous renvoie. Hein, ce sont des trades qui seront périodiquement versés dans Questions de langue, hein, une fois que je les aurai réécrits. Et ces deux aspects se réalisent dans ce que l'on appelle le relatif de liaison, qui est un concept un peu particulier que j'ai repris de la grammaire latine, qui est un concept assez riche dans l'histoire de la tradition grammaticale latine, et qui est discuté, qui a été longtemps admis et qui est maintenant est remis en question. Alors moi, je rentre pas dans ces détails concernant cette discussion-là, mais voilà, je me place dans une tradition particulière qui est de dire que lequel est un relatif de liaison en français,
ne serait-ce que dans la façon dont il est employé au XVIIe siècle. Et donc, pour appuyer ce dire, arrive le cœur de l'étude elle-même, qui est divisée en plusieurs grandes parties. Une première grosse partie, on va dire, en langue et en discours liés aux aspects de syntaxe, de sens et de référence qui accompagnent dans mon corpus cette étude, avec un point sur le choix du corpus, les études après en elles-mêmes selon des paramètres que j'ai dégagés de mes occurrences. Une troisième partie liée justement aux aspects plus textuels de l'emploi de lequel, c'est-à-dire à quoi il sert lorsque l'on fabrique un texte avec lequel. Une quatrième partie qui se dédie à la stylistique du pronom déterminant, de lequel, c'est-à-dire voilà, dans quel type de texte on le rencontre, quel est le genre de texte, le style de texte dans lequel on va le rencontrer. Et puis enfin une partie conclusive avant la conclusion générale qui fait vraiment une diachronie longue, c'est-à-dire qui, plutôt que de s'intéresser à la synchronie déplacée de l'emploi au XVIIe siècle, va voir ce qui se passe à notre époque, au XXe et au XXIe siècle, afin de voir s'il y a des continuités ou des ruptures dans l'usage. Donc là, ce soir, moi, je vais lire vraiment quelque chose de très limité dans cette partie, c'est-à-dire vraiment la sous-catégorie des subordonnées relatives qui se situe donc dans la première sous-partie. C'est le 1.1.1 de ma thèse. Première partie, première sous-partie, première sous-sous-partie de la première sous-partie. Qui s'intéresse donc à lequel comme pronom relatif. Donc, commençons immédiatement dans le vif du sujet. Je vais prendre un verre d'eau, un peu d'eau, parce que j'ai oublié d'en prendre. Je reviens. Il a fait très chaud ces derniers temps et parler donne soif. Donc, je vais lire tranquillement le texte et puis je vais m'arrêter. Et dès la première phrase en fait du texte et le premier paragraphe de cette début de partie, il y a la définition de la récursion tel que je peux l'envisager, tel qu'on va l'envisager en grammaire en général. Quand on utilise un pronom relatif, ou quand il y a une subordonnée en général, on crée ce que l'on appelle, ce que la tradition grammaticale appelle une phrase complexe. C'est une phrase qui comprend un constituant possédant une structure de phrase. Donc, c'est ça qui définit la récursion à proprement parler, c'est-à-dire que si l'on considère que ça, P, pour phrase, c'est une association d'un sujet et d'un groupe verbal, d'un groupe nominal et d'un groupe verbal, d'un sujet et d'un prédicat, quelle que soit la façon dont on définit la chose, on va trouver au sein de cette formule la même structure qui va du coup y être intégrée, ou du moins va y être elle va être mise en relation d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, on va retrouver une structure phrastique au sein du groupe nominal sujet, ou bien dans le prédicat, ou bien on va avoir une grande phrase qui sera construite par une association de ces plusieurs petites phrases. Ça, c'est de la récursion, parce qu'on va répéter une structure, et on va l'intégrer dans une structure identique pour former une structure un peu plus complexe. Hein, c'est un rouage de rouage, c'est une phrase de phrase. C'est ce qu'on appelle la phrase complexe et c'est ce qu'on appelle en général, c'est l'illustration maximale en syntaxe, ce qu'on appelle la récursion syntaxique. La récursion étant un phénomène très fréquent en langue et en discours, hein, dans beaucoup de langues du monde, qui consiste à reproduire une séquence pour construire une séquence de niveau équivalent. Hein,
on pourrait synthétiser ça en disant qu'on a une unité de rang n qui est construite avec une unité n, hein, plutôt que d'avoir une unité n-1 comme on s'y attendrait dans une perspective structuraliste constructionniste, hein, de la phrase. Bon. Le problème, c'est que on n'est pas vraiment d'accord, les grammairiens ne sont pas tous d'accord sur ce que l'on doit envisager comme faisant partie de la phrase complexe et quels sont les indices déterminants. C'est-à-dire que, grosso modo, tout le monde est d'accord pour identifier plus ou moins les mêmes phénomènes, mais c'est leur classement qui va poser de grosses difficultés au niveau typologique. C'est-à-dire que pour certains auteurs, le simple fait de prendre une phrase graphique à l'écrit et de les séparer par des virgules, hein, il pleut, virgule, je prends mon parapluie, virgule, je l'ouvre et je ferme la porte derrière moi, point, ça suffit à appeler ça une phrase complexe, puisqu'on a bien plusieurs structures de phrases au sein d'une structure phrastique supérieure. Les chercheurs disent, oui, mais attendez, si on remplace les virgules par les points, à ce moment-là, on n'a plus une seule phrase complexe, on a trois petites phrases, et donc c'est plus de la phrase complexe, c'est une succession de phrases simples. Et ça, c'est un argument que je trouve très bon aussi, si vous voulez. Et donc, il y a certains chercheurs, du coup, qui vont opposer la phrase complexe avec la phrase multiple. Hein, c'est ce que propose un grammairien comme Marc Villemette, par exemple, qui nous a quittés il y a quelques années. Il y en a d'autres pour qui il y a différents statuts à la phrase complexe. Il y a ce qu'on appelle l'hypotaxe, il y a ce qu'on appelle la parataxe. Mais on va dès lors toujours se retrouver avec des structures ambiguës qu'on ne sait pas traiter. C'est très compliqué. Du coup, on ne peut pas se contenter simplement de dire « il faut qu'il y ait une phrase dans une phrase » pour faire de la phrase complexe. Du moins, il faut qu'on aille un peu plus loin dans le détail et qu'on définisse plus précisément ce que l'on entend par récursion syntaxique, par phrase complexe, hein, et par subordination et subordonnée relative. Il y a une tradition qui est certaine, c'est que on appelle proposition les différentes structures phrastiques que l'on rencontre, parce que la grammaire est toujours gênée, et a raison, de dire qu'une phrase est constituée de phrases. C'est quelque chose qu'on a du mal à envisager pour une raison assez simple. C'est que la phrase, notamment dans le domaine de l'apprentissage, et ce depuis une tradition assez vieille, la phrase est considérée comme l'unité maximale de l'analyse syntaxique. C'est-à-dire que au-delà, on quitte le domaine de la syntaxe, on quitte le domaine de la grammaire pour entrer dans autre chose, ce qui est faux à mon sens, mais c'est une tradition tenace. Et donc il est gênant de dire qu'une phrase est constituée de phrases, parce que ça obligerait de dire qu'une unité supérieure est construite avec des unités supérieures, et au niveau de l'apprentissage de la grammaire, hein, tout du moins, ça poserait des difficultés. Bon. Du coup, on préfère le terme de proposition, qui est un terme qui nous vient davantage de la logique, de la sémantique, et notamment même de la rhétorique, puisque les propositions, c'est comme ça pendant très longtemps qu'on a appelé les différentes prémices, hein, d'un raisonnement du type syllogisme, hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc tous les hommes sont mortels. Bon, non, c'est pas ça, c'est quoi, c'est... Voilà, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc voilà, donc Socrate est mortel. Les propositions, les deux premières prémices que l'on a, prémisse mineure, prémisse majeure, ont été appelées pendant très longtemps des propositions, c'est-à-dire des assertions en fait. Il faut prendre ce terme de proposition dans ce sens d'assertion, c'est-à-dire on associe un sujet et un prédicat, on fait un acte prédicatif, on dit quelque chose de quelque chose d'autre. Bon. Et ces propositions vont alors se coordonner, se juxtaposer, se hiérarchiser selon différents critères, et ce que l'on appelle plus particulièrement subordination, dans le cadre de cette construction phrastique, c'est quelque chose qui peut se réduire à deux paramètres clés
Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui me semble. Ça n'y paraît pas, mais je pense que c'est l'une de mes propositions les plus efficaces dans ce texte. C'est-à-dire vraiment trouver une définition très nette, très précise, qui me permet de bien trier mes occurrences. C'est celle-ci. Tout d'abord, il y a un rapport de dépendance orientée entre la subordonnée, qui est la proposition intégrée, et la principale, qui est la proposition matrice, régissante, celle qui va l'introduire. Dépendance orientée, ça veut dire assez simplement, ça je l'ai défini également sur le site Question de langue dans mon point général sur les éléments de syntaxe. La dépendance orientée, ça veut dire que un élément syntaxique, un mot, une structure, dépend d'une autre pour exister, mais le contraire n'est pas vrai. L'exemple prototypique, c'est l'adjectif dans le groupe nominal. Hein, si on dit le petit chat s'endort, hein, on peut dire le chat s'endort sans difficulté. Donc petit peut supprimer sans engager la grammaticalité de la phrase. Mais si on dit le petit dort, là, ou bien on est dans de la grammaticale, si on considère que la phrase est inacceptable, ou bien on change dramatiquement le sens de la phrase. Et donc à ce moment-là, ça prouve hein, que l'opération de suppression est unidirectionnelle. Donc une subordonnée, on va dire qu'il y a subordonnée s'il y a un rapport, une relation de suppression orientée. Hein, on peut supprimer la subordonnée, généralement. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est plus compliqué qu'il n'y semble, mais notamment avec ce qu'on appelle la corrélation. Bon, mais ça, j'en parlerai bien plus tard, parce que nous sommes en train de préparer un colloque avec une collègue sur cette question-là en particulier, donc j'y reviendrai bien plus tard, c'est un très gros sujet de syntaxe. Et donc on peut supprimer la subordonnée, alors que la principale peut rester hein, en place sans problème. Deuxième élément qui est très important, il faut que cette relation de dépendance soit explicite. C'est-à-dire qu'elle soit marquée par une expression qui va mettre en jeu ce que l'on appelle un mot QU, ou bien SI. Alors ça, c'est une constante dans les langues du monde qui ont des subordonnées relatives, ou des subordonnées en général. Il y a généralement un groupe de mots qui viennent d'une vieille famille indo-européenne, pour les langues indo-européennes, ou bien pour dans d'autres familles de langues voilà, qui ont généralement des relations communes. Qui vont se charger de faire ces opérations de hiérarchisation, de subordination, on parle encore de chevillage, hein, si je reprends ce qu'en dit Pierre Le Goffic par exemple, hein, qui emploie beaucoup ce terme. Et donc, c'est un groupe de mots qui en français, on appelle les mots QU. Hein, ce sont des mots qu'on connaît bien, c'est qui, que, quoi, don, où. Lequel, évidemment, que je travaille, comment, mais également des mots comme si. Alors, ce sont des mots qui sont tous liés étymologiquement. En anglais, par exemple, vous avez les WH words, hein, les who, whom, where, what, etc., qui remplissent which, qui remplissent des rôles plus ou moins similaires. Vous avez des mots équivalents en roumain, en italien, etc., en allemand, en finnois. Et donc, ce sont des mots qui se réalisent généralement de plusieurs façons. Hein. Ou bien ils sont spécialisés dans ce type de structure. Hein. Donc, c'est par exemple des choses comme bien que ou bien qu'il, hein, que l'on va surtout trouver dans ces opérations de chevillage. Ce sont des mots qui sont généralement spécialisés dans la subordination, mais qui parfois sont en relation avec l'interrogation ou l'exclamation, comme par exemple comment ou qui. Bonsoir, merci d'être à l'heure. Bah, vous êtes une demi-heure, ça a commencé il y a une petite demi-heure, vous pourrez rattraper en replay si ça si ça vous dit. Donc, ce sont des mots voilà, qui sont spécialisés dans ces types de structures. Déjà, ça saute sous le sens, ça tombe sous le sens quand on voit ces quelques exemples. Je veux que tu partes, bien qu'il soit gentil. Les enfants qui parlent, je me demande comment il va.
c'est que ce sont des mots que l'on va trouver très fréquemment et généralement dans différents contextes. Les mots interrogatifs comme comment, par exemple, introduisent tant des subordonnées dites interrogatives à direct que des questions, que des exclamations, comment? Bon. Donc, il y a une polyfonctionnalité à ces mots QU que l'on rencontre en français, en anglais, etc., qui pose toujours énormément de problèmes puisqu'on se demande toujours, quand on a des homonymies en grammaire, quand on a des homonymes en grammaire, s'il s'agit du même objet qui possède deux fonctions différentes, ou bien s'il s'agit de deux objets distincts qui ont été ensuite rapprochés par la force de l'évolution. C'est ce qui s'est passé pour « que », hein, qui est l'un des mots plurifonctionnels par excellence en langue française, puisqu'il peut être adverbe, il peut être pronom, il peut être conjonction, et de différentes façons, qui vient en fait, en français moderne, du rapprochement d'au moins deux, voire trois objets latins qui étaient distincts à l'époque, quem, quam, quod, et qui, au fur et à mesure du temps, se sont rapprochés, puisque l'évolution phonétique les a transformés chacun en que, et donc ça s'est moulé dans un seul et même objet, et donc du coup, ces rôles ont éclaté. Hein. Mais pour des mots comme qui, par exemple, le latin distinguait déjà plusieurs qui, plusieurs qui, et donc on peut se demander en quelle mesure voilà, leur forme, leur ressemblance formelle a contribué à leur ressemblance et leur polyfonctionnalité. Bon. Ça, c'est des questions de grammaire plus générales dans lesquelles je ne vais pas entrer. Et donc, dans ces trois exemples, on voit bien, par rapport au segment en italique, hein, j'ai toujours mis les subordonnées en italique dans ce texte pour voir, hein, pour les repérer, hein, plus facilement. Bon. On peut supprimer les segments en italique sans qu'il y ait d'agrammaticalité de la structure droite, écrit en romain. Ça ne veut pas dire que le sens sera le même. Évidemment, on supprime quelque chose de la phrase, le sens évoluera toujours. Mais au niveau de la syntaxe, de la grammaticalité, ce sont des phrases qui sont possibles et que l'on peut prononcer sans problème. Donc, je veux, je me méfie de lui, les enfants seront punis, je me demande. Ce sont des choses qui peuvent exister en tant que telles. Alors que si vous dites que tu partes, bien qu'il soit gentil, qui parle ou comment il va, ou bien il faut envisager un changement de modalité, passer de l'assertion, par exemple, dans « je me demande comment il va » à l'interrogation directe, « comment il va hein ?» ou bien on est face à quelque chose de purement, voilà, qui ne peut pas exister en tant que tel, comme « qui parle », par exemple, bon, que l'on ne peut pas interpréter en tant que tel. Donc on a bien nos deux critères de reconnaissance de subordonné, dépendance orientée d'une part, introduction par un mot Q de l'autre. Bon. Mais nous, on va aller un peu plus loin, puisque on va avoir une spécialisation au sein de ce qu'on appelle les subordonnées relatives. Et pour ça, il faut qu'on rajoute un autre critère de classement. Bon. Généralement, pour étudier les subordonnées, il y a deux tests fondamentaux qui sont utilisés. Ce sont des tests qui ont chacun leurs limites et qui proposent du coup chacun une façon distincte d'envisager les phénomènes. Aucun système est à mon sens meilleur que l'autre. Je les ai beaucoup étudiés, je les ai beaucoup lus. J'ai finalement choisi l'un en particulier, mais parce que ça m'arrangeait, mais sans prétendre spécialement qu'il soit meilleur que les autres. En fait, il y a deux façons d'envisager les choses. Ou bien, on va observer ce qui se passe au niveau du mot qui introduit, du mot de la structure qui introduit les subordonnées. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un verbe qui va introduire un subordonné, je veux que tu partes? Est-ce que c'est un nom, un groupe nominal ou un pronom, du type les enfants, dans les enfants qui parlent? Est-ce que c'est aucun mot en particulier, comme bien qu'il soit gentil? Bon. Et donc là, du coup, on a une tripartition, on a aussi des subordonnées qui se chevillent sur des adverbes, par exemple, hein, heureusement qu'il vient, hein, c'est le prototype, vous avez parfois
des corrélations avec pivot adjectival, hein, par exemple, il est plus grand que je ne le crois. Bon, donc on peut partir sur cette direction-là, mais cela demande à s'interroger vraiment sur des opérations de hiérarchisation, d'inclusion des subordonnés dans la phrase, et ça m'intéressait moins. En revanche, il y a une autre façon d'envisager les choses qui est un peu plus simple, il m'a semblé, ou du moins qui permet vraiment de faire une cartographie efficace, hein, sans trop se poser de questions, c'est de s'interroger sur vraiment... Alors, il y a deuxième élément, deuxième classement, il y a l'identité du mot introducteur. Donc, est-ce que c'est un pronom? Est-ce que c'est une conjonction, une locution conjonctive? Ou est-ce que c'est un adverbe? Donc ça, vous avez cette répartition-là. Qui, aujourd'hui, est en perte de vitesse? C'est comme ça que moi, à l'époque, j'avais appris les subordonnées. Donc, conjonction, locution conjonctive, pronom relatif, adverbe, ou mot interrogatif. C'est quelque chose que l'on trouve encore dans les jeunes classes. Peut-être que vous avez appris aussi les subordonnées comme ça à l'époque. C'est quelque chose qui est intéressant pour des exemples de grammaire, pour faire des exercices. Mais en fait, dans les faits, quand on essaye de se confronter à de vraies occurrences de discours et de faire une répartition, une analyse ainsi, on va très rapidement avoir des difficultés, en fait, puisqu'il y a certaines occurrences qui sont très difficilement décidables, hein, et qui posent énormément de problèmes. Par exemple, dans le cadre des subordonnées dites indirectes, si je dis la phrase « je me demande qui viendra », on a un qui est un pronom relatif, pronom interrogatif, qui va alors prendre la place fonctionnelle d'un adverbe interrogatif. Mais du coup, comment expliquer que l'un soit un pronom, donc avec un antécédent, ou du moins avec un élément référentiel, hein, qui n'est pas explicite ici, mais que l'on peut retrouver, et que ce que ça implique au niveau de comment, qui, dans la tradition grammaticale générale, est plutôt considéré comme un adverbe. Et les adverbes, normalement, ne sont pas référentiels, n'ont pas d'antécédent, ne renvoient à rien. Alors, Pierre Le Goffic a une stratégie que je trouve très intéressante là-dessus. Il fait de comment, par exemple, ou de si, des opérateurs, ce qu'il appelle des opérateurs de parcours. Donc, il parvient à retrouver notionnellement des antécédents qui lui permet de garder ce système-là. C'est intéressant. Après, moi, j'ai des problèmes parfois à comprendre comment cela peut fonctionner dans des états plus anciens de langue où les choses sont moins nettes. Mais bon, ça, après, c'est un autre problème. Donc c'est quelque chose qui est opérationnel, mais qui est un peu voilà, qui peut poser des difficultés. Et puis vous avez donc une troisième façon de voir les choses, qui pour moi est la meilleure, ou du moins qui est celle qui auprès des étudiants, j'en ai fait expérience, marche le mieux. C'est de dire une phrase complexe, ce n'est jamais qu'une phrase qui a un constituant qui a la forme d'une phrase, c'est-à-dire dans lequel on peut retrouver un sujet et un verbe, hein, constamment. Mais la forme a beau être celle d'une phrase, ça n'en demeure pas moins un constituant phrastique. Et donc, ce faisant, il va prendre la position, il va prendre l'expression d'un constituant simple équivalent. Par exemple, dans « Je veux que tu partes », on peut dire bah, que tu partes, d'accord, c'est une subordonnée, mais c'est surtout une subordonnée qui prend la place d'un groupe nominal. Puisque si je fais une opération de permutation, je veux que tu partes, ça peut permuter avec, par exemple, je veux du gâteau, ou bien je veux un vélo. Donc on retrouve en fait une subordonnée, toute cette structure-là, ça, c'est comme si c'était un groupe nominal. Fonctionnellement, au niveau de la phrase surplombante, ça se comporte comme un groupe nominal. Donc, on peut dire, voilà, c'est une proposition subordonnée nominale. Et ça, d'ailleurs, ça a été, à un moment donné, la terminologie voilà, consacrée pour ces subordonnées, notamment au XIXe siècle. On la retrouve parfois dans certaines grammaires contemporaines, mais c'est assez rare. Donc, ça fonctionne assez bien. Et donc, on peut, du coup, rapprocher ça de la 3. Par exemple, je me demande comment il va, je me demande l'heure.
je me demande le sens de la vie, que sais-je. Bon, donc on peut rattraper ça. Les enfants qui parlent seront punis, qui parlent, on peut le remplacer par un adjectif. Les enfants bavards seront punis. Donc pas de problème. On n'a pas besoin de faire des modifications de la structure générale de la phrase pour faire cette transformation. Et puis, les structures comme un B, bien qu'il soit gentil, je me méfie de lui, on peut remplacer ça par un groupe prépositionnel d'interprétation circonstancielle du type malgré sa gentillesse, je me méfie de lui. Donc on a des équivalences et ça fonctionne très bien parce qu'on trouvera toujours un moyen avec ses subordonnés, à l'exception encore une fois des corrélatives qui nous embêtent beaucoup et qu'on traite généralement très difficilement. Bon, voilà, mais on y viendra tôt ou tard. Et donc on parvient du coup à faire une série de transformations qui fonctionnent, hein, et qui nous permettent de classer très rapidement les subordonnés. Et on peut dès lors les classer en trois grandes catégories. Hein. Les relatives, c'est celles dans lesquelles ces subordonnés permutent avec un adjectif. Et donc, généralement, le mot Q qui les introduise a une fonction dans la relative également. C'est-à-dire qu'il va être sujet, objet, attribut, etc. Il va être dit fonctionnel. Ou bien, la subordonnée comme « je veux que tu partes » est équivalente à un complément verbal. Plus rarement un sujet, on va dire un actant du verbe, et donc il est plus ou moins équivalent à un groupe nominal, et donc on va alors appeler ça les complétives et les interrogatives indirectes, et à ce moment-là le mot Q qui les introduit n'est pas fonctionnel, c'est généralement un QQE ou un adverbe du type comment, et puis vous avez ceux qui ont un rôle de complément circonstanciel, hein, de complément périphrastique, hein, qui va pas autour de la phrase, qui va pas rentrer dans la syntaxe du verbe, et donc que l'on va appeler les circonstanciels. Et donc nous, on va se situer, moi je vais me situer ici, uniquement, c'est-à-dire ce sont des subordonnées, donc des parties de phrase qui ont la structure de phrase, qui sont équivalents à des compléments de type adjectival, qui ressemblent à des adjectifs, et dont le mot Q a une fonction au début de la subordonnée, dans l'ouverture de la subordonnée. Bon. Donc déjà, alors, il y a quelque chose qui me fait peur aussi, c'est que là, je viens de passer 45 minutes à parler de l'introduction de la partie que je voulais aborder. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, encore une fois, d'en faire une heure, mais... Voilà, je ne pouvais pas faire l'économie de ça parce que j'ai le malheur de penser que tout le monde ne sait pas toujours ce que sont les subordonnées relatives, ce qui est un tort, il faut bien le dire, hein, ça devrait faire partie de la panoplie de tout honnête citoyen qui se respecte, hein, et de toute honnête citoyenne, hein, ne sortez pas sans vos subordonnées, bon, je crois que c'est clair, mais donc il faut quand même situer ce que l'on dit et là où on se bat. Donc, catégorie des subordonnées relatives. Donc, les subordonnées relatives, ce sont des subordonnées qui ressemblent à des adjectifs, qui peuvent généralement permuter avec des adjectifs. Et les subordonnées relatives, en français, elles sont introduites par des pronoms relatifs, ou plutôt par des mots relatifs, parce que le terme de pronom va nous poser des difficultés. On les a appris généralement par cœur à l'école, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel, et ses variantes, laquelle, lesquelles, auquel, etc. Et ce mot relatif, il a trois rôles, en fait. D'une part, c'est l'un de nos critères nécessaires plus haut, il marque l'introduction de la subordonnée. C'est dès qu'on voit qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc., c'est hop, 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 on s'arrête, la subordonnée, elle commence là. Voilà, c'est une borne gauche inaline. Ensuite, il est ce que l'on appelle anaphorique d'un constituant de la proposition enchâssante, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rappel de la notion du mot avec lequel il va se cheviller. C'est ce qu'on appelle un antécédent. On va y revenir juste après.
Et puis enfin, il est fonctionnel dans la subordonnée, c'est-à-dire que selon la forme du pronom, on va pouvoir déduire et analyser sa fonction au sein de la subordonnée. Qui est sujet, que est objet ou attribut, quoi est objet du verbe, généralement, ou complément prépositionnel, dont introduit un groupe prépositionnel qui commence par la préposition de, ou par la préposition à, ou un complément de lieu, généralement, et pour lequel, bah, c'est un peu plus compliqué, et c'est ce qu'on va voir. L'exemple type, je fais un problème qui est difficile. On a une phrase complexe, on a notre subordonné qui est difficile. On peut la supprimer, je fais un problème, il n'y a pas de souci. Et on peut commuter la subordonnée avec un adjectif, je fais un problème difficile. On va donc dire ici, si on fait une analyse classique, que qui est difficile est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif sujet qui, puisque qui est toujours sujet. Il est sujet du prédicat être difficile, il est difficile, et il a pour antécédent, il reprend notionnellement et il s'articule autour du groupe nominal un problème. C'est-à-dire que quelque part, et parfois les grammaires présentent ça comme ça, ils disent, voilà, je fais un problème qui est difficile, c'est comme si on avait eu deux phrases, je fais un problème, puis ensuite le problème est difficile, et puis clac, on essaye de les mettre ensemble, de les concaténer, et donc ça donne, je fais un problème qui est difficile. C'est plus complexe que ça, évidemment, mais ça illustre plus ou moins l'opération d'imbrication hein, que ça implique. Bon. Généralement, on dit alors que la subordonnée est une expansion de l'antécédent, comme un groupe adjectival, hein, et c'est bien pour ça que généralement, on considère que le prototype, c'est ce qu'on appelle les subordonnées relatives adjectives, qui va m'intéresser particulièrement dans ma monographie, mais je n'aurai pas le temps ce soir d'expliquer précisément ce que sont les adjectives. Je me contente de parler des subordonnées relatives en général. Et donc, on va pouvoir les permuter, ces relatives-là, avec des adjectifs sans mal, ou parfois avec des groupes nominaux, hein, les animaux qui mangent de la viande, on va plutôt le remplacer par les animaux mangeurs de viande, mangeurs de la viande. Bon. Et donc, c'est cette idée-là que les pronoms relatifs sont des pivots, des articulateurs qui relient une proposition à un constituant non verbal, un prédicat, une structure phrastique, à un élément de la structure enchâssante qui est généralement un nom. Pas seulement. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir trouver en français des antécédents pronominaux. C'est moi qui parle. On va pouvoir trouver des pronoms. Je l'ai entendu qui chantait. On va pouvoir trouver des pronoms objets, comme est l'apostrophe. On va pouvoir trouver des pronoms démonstratifs, ceux qui cassent les verres, l'épée. On va pouvoir trouver des pronoms indéfinis, qui que tu sois. Et parfois, on peut, et ça a longtemps étonné, ne rien trouver du tout. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Alors, le statut de ce qui a longtemps été ambigu, on appelle ça maintenant un qui intégratif. Hein, on a longtemps cru que c'était un qui indéfini comme celui d'au-dessus, qui que tu sois. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais on considère maintenant que ce sont deux objets grammaticaux distincts. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la démonstration. Ça commence à être un peu complexe. Après, il faudrait mettre en place beaucoup plus d'éléments pour le comprendre. Je vais passer ici sur ces détails-là, justement pour montrer que le statut de ce pronom relatif est sujet à discussion. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à classer ces différents types de subordonnées relatifs. Donc il y a déjà une sous-catégorie des subordonnées. Et donc on va pouvoir faire des sous-sous-catégories. Et plus tard même, pas ce soir, mais on verra qu'il y aura des sous-sous-sous
sous-catégorie, encore une fois, il y a encore un stade supplémentaire pour vous montrer un peu la complexité de l'affaire. Bon. Parmi les subordonnées relatives, on va distinguer plusieurs types de subordonnées, précisément en fonction de l'identité de l'antécédent. En fonction de l'antécédent, en fonction de sa nature grammaticale, la relative ne va pas avoir tout à fait les mêmes propriétés. Et donc, on va pouvoir les identifier par ce biais-là. On va ainsi distinguer, et ça, c'est les plus nombreuses empiriquement, c'est le prototype des relatives quand on entend parler, quand on lit. C'est généralement celle qu'on rencontre le mieux. C'est ce que l'on appelle les subordonnées relatives, à proprement parler, adjectives. Ce sont des subordonnées qui ont pour antécédent des groupes nominaux, qui soient définis ou indéfinis, quelle que soit leur construction, des pronoms toniques comme moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, hein, c'est eux qui parlent, c'est moi qui parle, etc. Et les pronoms, les pronoms démonstratifs, possessifs ou indéfinis, du type le mien que j'ai dans certaines pratiques non normées de la langue. Bon. Deuxième grande catégorie, les subordonnées relatives qui ont pour antécédent ce ou celui, hein, celui, ce, celle, etc., qui crée ce qu'on appelle des relatives périphrastiques, hein, on va définir. Ce sont les structures du type ceux qui boivent payent leur verre, bon, qui ont des propriétés un peu particulières. Ensuite, il y a celles, comme on a vu auparavant, hein, qui veut voyager loin ménage sa monture, qui n'ont pas d'antécédent explicite, et donc que l'on appelle soit intégrative, soit substantive indéfinie. Hein. Et généralement, c'est celles qu'on trouve dans les proverbes, hein, qui veut voyager loin ménage sa monture, qui vole un œuf, vole un bœuf, ce genre de choses. Bon. Ensuite, vous avez les subordonnées relatives qui ont des antécédents qui ne rentrent pas dans les autres catégories, et donc que l'on appelle des prédicatives. Et ça, c'est une catégorie assez nouvelle, finalement, des relatives, qui ont commencé à être repérées vraiment et étudiées dans les années 70-80, et qui maintenant appartiennent de plein droit aux grammaires contemporaines, mais on voit que notamment dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le secondaire, on ne va pas les retrouver. Hein, il y a eu l'année dernière le nouveau référentiel grammatical pour l'apprentissage de la langue française au collège et au lycée. Il ne me semble pas qu'il ait fait une mention des subordonnées prédicatives. Alors, c'est vrai qu'elles sont objectivement, empiriquement, plus rares que les autres, et notamment à l'écrit, parce qu'elles appartiennent beaucoup à la pratique orale de la langue et dans l'écrit non normé, moins dans l'écrit normé, littéraire, etc., que l'on étudie davantage à l'école. Donc ceci explique peut-être cela, mais ce sont des subordonnées qui sont très intrigantes en fait. On ne sait pas trop voilà, comment elles se sont formées, il y a encore beaucoup d'énigmes les concernant, donc bon, ça peut être un peu compliqué à aborder. Et puis, les relatives constituant d'une expression concessive ayant pour antécédent une expression indéfinie ou équivalente. Donc ça, ce sont les subordonnées à l'instar de cet exemple-là, c'est-à-dire qui que tu sois, hein, quelle qu'elle soit, où qu'il soit, etc. C'est ce qu'on appelle des expressions concessives, c'est-à-dire que on dit, voilà, quelle que soit l'issue, hein, on envisage tous les termes possibles pour dire finalement que ça n'aura aucune importance. Qui que tu sois, réponds-moi, c'est-à-dire que ça veut dire si t'es mon ami, si tu ne l'es pas, si t'es un homme, si t'es une femme, si t'es un étranger, si t'es quelle que soit la personne que tu es, bah, réponds-moi, je veux que tu me répondes. Bon. C'est ce qu'on appelle des structures concessives qui feront peut-être l'objet d'une future lecture. Quoique je pense, là j'ai un ouvrage, je montrerai après que je lirai, je pense, la semaine prochaine, du moins en partie. Voilà, qu'on m'a prêté et que je pense lire sur le stream, mais n'anticipons pas. Et donc, toutes ces relatives-là,
peuvent être introduites, nous disent les grammaires. Et donc, quand vous prenez une grammaire comme les grammaires d'usage, la grammaire méthodique du français, la grammaire, les grammaires scolaires, grévistes, etc., ils vous disent, bah oui, bah, ce sont toutes ces relatives-là, elles peuvent s'introduire par qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses variantes, il n'y a pas de souci, circuler. Et en fait, quand on rentre dans le détail, et c'est ça qui est intéressant, le diable se niche dans les détails, en fait, c'est faux. En fait, il y a un intrus là-dedans, c'est lequel. C'est-à-dire que lequel, lui, est très limité dans ses emplois, et il ne va vraiment introduire que des subordonnées relatives adjectives. Il ne va pas introduire les autres. Et ça, c'est intéressant, parce que généralement, les grammaires ne le précisent pas, ne le montrent pas, peut-être parce que ça tombe sous le sens, mais cet aspect-là, ce détail-là, je ne l'avais pas rencontré ailleurs. Donc, par exemple, hein, c'est ce que je montre très rapidement. Alors, dans ma thèse, j'avais développé beaucoup plus avec des exemples et tout. Ici, j'ai réduite. Mais, par exemple, lequel ne peut pas introduire des relatifs substantifs, c'est-à-dire des relatifs sans antécédent. Qui veut voyager loin ménage sa monture. On ne peut pas dire lequel veut voyager loin ménage sa monture. Ça ne marche pas. C'est à quoi je pensais, qui est une substantive, on ne peut pas dire c'est auquel je pensais. Ça ne marche pas. J'irai où vous allez, on ne peut pas dire j'irai auquel vous allez. Là, ça ne marche pas. Donc déjà, les substantives, c'est pas lequel. Bon, on n'a pas de chance. Les prédicatives, alors. Alors les prédicatives, ça c'est vite fait, ça peut être introduit que par qui. Ça c'est assez intéressant. J'ai entendu un oiseau ou je l'ai entendu qui chantait, on ne peut pas dire je l'ai entendu lequel chantait. C'est pas admis. Même dans les états plus antérieurs, plus anciens de la langue, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un blocage. Voilà un train, voici un train qui arrive. Ou le voici qui arrive, on ne peut pas dire voici un train lequel arrive. Ou le voici lequel arrive, c'est pas possible. Il a un genou qui lui fait mal. On ne peut pas dire il a un genou lequel lui fait mal. J'aurais dû le préciser si vous l'ignorez, mais quand vous voyez une astérix là avant un mot, ou devant une phrase, ça veut dire que c'est agrammatical, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est on fabrique quelque chose et ça ne fonctionne pas. Bon. Midi passé et Pierre qui n'arrive pas, midi passé et lequel et Pierre lequel n'arrive pas, ça ne fonctionne pas non plus. Bon. Donc, les prédicatives. Alors, les concessives. Peut-être que les concessives, ça marche. Ben, même pas. Quelque effort que je fasse, on ne peut dire ni lesquels efforts que je fasse, ni quelques efforts lesquels je fasse, dans toutes les configurations possibles, hein, avec quoi, qui, où, rien ne fonctionne, hein, je vous laisse regarder rapidement, lire, bon, ça ne fonctionne pas. Par contre, les relatives, alors ça, les relatives, il aime bien lequel, ça marche très bien. Généralement, il peut occuper quasiment toutes les fonctions hein, de la subordonnée. C'est-à-dire un souriceau, qui ou lequel n'avait rien vu, je suis pris au dépourvu, cet homme, qui, lequel je vois avancer, mon ami, je vous donne un siège sur quoi ou sur lequel vous pourrez vous asseoir, c'est une chose dont ou de laquelle je suis fier, j'ai rencontré la fille pour qui ou pour laquelle tu te meurs d'amour. Alors, vous excuserez, parfois le côté florbeux des exemples sont des exemples de grammaire que j'ai repris et que j'ai manipulé. Bon, il y a des traditions qu'on utilise. Bon. Et la maison où dans laquelle je vivais a été détruite. Aucun problème ici. Donc, lequel excelle dans la subordonnée relative. En revanche, on ne peut pas le mettre, c'est difficile de l'utiliser avec un que attribut du type le conquérant qu'était Alexandre est admirable. Les que attributs sont des formes très rares dans la langue. Elles sont vraiment très vieillies, très archaïsantes. On en trouve encore parfois, mais c'est vraiment exceptionnel. Et lorsqu'on les trouve, il y a un blocage, ça ne peut être pris en charge que par que. Même pas par d'autres pronoms ou d'autres formes. Et donc lequel est exclu de ces tours. Donc ça, c'est moins surprenant.
On va les trouver davantage, ces subordonnées attributs, dans des tours avec du avec tel quel, par exemple, ou quel que. Hein. Qui que vous soyez, quel que puisse être son talent, tel qu'elle est. Bon. Qui sont des tours figés ou semi-figés. Il y a un très grand degré voilà, de sédimentation autour de ces structures particulières qui ressemblent, hein, vous voyez, avec par exemple qui que vous soyez, quel que puisse être, on est proche des concessives, hein, des expressions concessives. C'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait la même subordonnée au niveau de l'analyse, il ne faut pas s'y méprendre. Mais voilà, on est dans des tours qui sont assez sédimentés. Bonsoir, merci d'être venu. Et donc, on va exclure donc également lequel de ces subordonnées-là. Et puis, on a en revanche, et ça c'est intéressant aussi, des subordonnées qui ne peuvent être introduites que par lequel. C'est-à-dire qu'après la préposition parmi, normalement, alors ça commence à changer récemment, j'ai vu ça en faisant à nouveau des sondages dans les corpus. Normalement, après la préposition parmi, seul lequel, et notamment lesquels au pluriel, est autorisé. Hein, les invités parmi lesquels se trouvait la duchesse hein, sont arrivés. On trouve parmi qui les invités de la mariée, les députés, parmi qui un tel et un tel. Les grammaires ne donnent pas de jugement d'agrammaticalité les concernant, mais... Voilà, toutes les grammaires que j'ai consultées, du bon usage jusqu'à la grammaire méthodique du français, les grammaires scolaires, font mention de cet aspect-là. En disant, parmi, ça doit être uniquement avec lequel. Le discours tend à utiliser parmi qui ou parmi quoi. Personnellement, ça me choque un peu l'oreille, j'avoue. Mais, pour des raisons que je comprends mieux maintenant après ma thèse, ce n'est pas surprenant non plus que les locuteurs, que les locutrices utilisent qui maintenant à la place de lequel ou de lesquels qu'on attendrait dans ce cas de figure. Bon. On a par contre, on doit absolument en revanche utiliser lequel lorsqu'on fait de l'imbrication en second degré. La rivière sur le bord de laquelle nous avons pique-niqué, et non pas la rivière sur le bord de quoi, ou la rivière sur le bord dont nous avons pique-niqué. Et puis vous avez certaines relatives qui reprennent des groupes prépositionnels, ou à quoi est senti comme relevant d'un niveau de langue très bas, voire incorrect, du type je possède un bijou, à quoi je suis très attaché, on dira plus volontiers auquel je suis très attaché, même si dans certaines copies d'apprenants et dans certaines structures dialogues non normés à l'oral, c'est quelque chose que l'on rencontre. Mais traditionnellement, dans l'écrit normé, et moi j'ai surtout travaillé sur l'écrit, on ne trouve pas ce type de structure. Bon. On va aussi trouver lequel dans ce qu'on a appelé les relatifs périphrastiques, c'est-à-dire ceux qui commencent par « ce » ou « celui » ou par « ce hein. ». « Ceux qui casseront les verres, les perrons » que l'on va opposer à « ceux lesquels casseront les verres, les perrons ». Alors ça ne fonctionne pas. En revanche, ça marche avec une préposition. Voici celui à qui j'ai pensé versus voici celui auquel j'ai pensé. Et là, vous commencez à voir l'une des spécificités de lequel par rapport à qui. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir concernant cet aspect-là, mais quand on dit voici celui à qui j'ai pensé, à qui, on pense à une personne. Celui à qui j'ai pensé, si je vous demande devinez celui à qui j'ai pensé, il ne vous viendrait pas à l'idée de me dire bah, une chaise, quoi. Ou bien le tableau de ta mère. Bon. Par contre, si je dis « voici celui auquel j'ai pensé bah », là, la référence est un peu plus flottante. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un concept. Alors que « à qui » bloque l'interprétation. Bon. Donc ça, c'est intéressant et ça aura un grand intérêt, hein, ça aura une grande un grand intérêt pour la suite de mes études dans le texte. Donc, nos grammaires qui généralement nous disent bon, lequel c'est un relatif comme qui, que, quoi, dont, où, et ça peut tout introduire, il n'y a pas de souci. Bah, quand on voit un peu plus dans le détail,
En fait, on se rend compte que les choses sont loin d'être aussi évidentes, et en fait, on se rend compte que lequel, à part les relatives adjectives, qui sont certes très nombreuses, sans doute les plus nombreuses, mais qui ne sont quand même qu'une des six possibilités que l'on a en langue, il s'est super spécialisé quand même dans les relatives. On le rencontre très épisodiquement dans les périphrastiques, dans certaines périphrastiques encore. Mais sinon, lequel, il est spécialisé dans un seul type de subordonné. C'est-à-dire que autant on peut employer qui, que, quoi, dont, où, d'une façon assez plastique dans la langue, et notamment qui et que l'on va retrouver très fréquemment, y compris dans des endroits où, où on devrait s'attendre à d'autres types de relatifs, ça devient des sortes de relatifs couteau suisse, si je puis dire, qu'on va convoquer lorsque l'on doit absolument faire une imbrication. Parce que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, la phrase complexe, la subordination, les subordonnées relatives, ça appartient pas qu'à l'écrit et à l'écrit normé ou littéraire. On en fait constamment des relatifs, des subordonnées. Si vous voulez, vous reprenez le stream depuis le début et puis vous regardez le nombre de fois où j'ai introduit une subordonnée. Là, ça en était une, par exemple. Hein, le nombre de fois où c'est une subordonnée relative. Bon. Donc, on fait constamment de l'imbrication. Mais lequel est très, très, très rare. Et ça, ça m'a intéressé. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que, malgré tous les critères pour le trouver en discours, c'est-à-dire qu'il doit avoir un antécédent exprimé. Il ne peut pas être en introduction du substantif. Il ne peut pas être attribut. Bon, ça, c'est moins embêtant parce que la fonction attribut est quand même assez rare. Mais néanmoins. Et puis, à part pour certains cas de périphrastique, finalement, il ne peut être équivalent qu'une subordonnée adjective. Il ne peut qu'introduire que des subordonnées relatives adjectives. Et donc ça, c'est bizarre à deux niveaux. C'est bizarre au niveau de la syntaxe générale, parce que du coup, on est en train de se dire, mais s'il ne peut pas servir à imbriquer des choses très fortement les unes avec les autres, comme on a pour les périphrastiques par exemple, est-ce que c'est encore un enchasseur? Est-ce que c'est encore un pivot lequel? On a plus l'impression de quelque chose que l'on a récupéré d'ailleurs, et puis on l'a mis dans le tableau parce que on avait ce qu'on appelle une case vide, c'est le terme consacré en grammaire. Quand vous faites ce type de tableau de répartition d'usage, des fois, dans les langues, il y a des cases vides, il y a des possibilités de langues qui ne sont pas remplies dans toutes les langues du monde. C'est tout à fait normal, on n'a pas toutes les langues n'ont pas toutes les mêmes possibilités grammaticales. Elles peuvent parvenir toujours à dire tout ce que l'on a envie de dire, mais parfois, dans certaines langues, vous avez des mots ou des tours qui sont plus économiques, qui sont grammaticalisés, qui permettent hein, de remplir la case. Et puis, vous avez des langues dans lesquelles vous avez des cases vides. L'exemple type, par exemple, c'est dans le cadre de l'interrogation. En anglais, vous pouvez dire « What makes the bird ?»« Que fait l'oiseau ?» On peut dire en français « Qui fait l'oiseau ?» Mais si vous voulez interroger sur la fabrique de l'oiseau, vous êtes obligé de dire « qu'est-ce qui fait l'oiseau ?» La Fontaine, au XVIIe, pouvait encore dire « Qui fait l'oiseau ?» Le plumage. Ce n'est plus possible, alors qu'en anglais, en allemand, vous avez des mots qui permettent hein, de faire ça. Bon. Donc ça, déjà, ça pose des questions par rapport au modèle général de la subordination que je développe dans la suite de mon texte, précisément. Et puis, ça pose une autre question qui, cette fois-ci, est plus une question d'usage. C'est-à-dire que lequel est très rare, on a du mal à l'utiliser, il faut énormément de critères d'emploi pour l'utiliser. Mais jusqu'au XVIIe siècle, à l'écrit, on le trouvait partout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre un texte du 15e, 16e, début 17e siècle sans voir des lequel partout. Ça tombe vraiment comme le nez au milieu de la figure. Vous prenez Rabelais, vous prenez Marguerite de Navarre, vous prenez L'Astrée, donc qui est un roman du 17e siècle, vous prenez la première traduction de Don Quichotte de Cervantes en français qui date de 1614, le premier livre date de 1614, il y a des lequel partout. Et en moins de 30 ans,
plus personne l'utilise. Et donc ça, c'est ça, ça intrigue et ça a intrigué pendant très longtemps. Et donc, c'est là où mon étude vise à apporter des éléments de réponse. Hein. Il n'y aura pas de réponse définitive, évidemment. Bon. Mais au moins apporter des éléments de réponse sur ce pronom très particulier qui m'a occupé pendant plusieurs années de mon existence dans le cadre de ma soutenance, de ma préparation de thèse doctorale. Et donc, voilà, qui s'est matérialisé dans cet ouvrage sorti l'année dernière. Et que voilà, qui est le mon premier livre scientifique, du coup, que j'ai publié. Parce que j'avais déjà publié des romans auparavant. J'avais déjà publié de la fiction. Mais c'est mon premier texte scientifique. Et d'ici quelques mois, un an, il y en a un deuxième qui devrait arriver, qui est en préparation, qui est en phase de relecture. Je n'en dis pas plus pour l'instant. J'en parlerai, je pense, longuement sur un sujet un peu différent. Voilà, j'espère qu'il intéressera. Donc voilà pour cette première moitié que je voulais faire sur la récursion, hein, qui est un sujet qui est très intéressant. Là, vous voyez à quel point on est déjà rentré dans le détail. Et dites-vous bien que la partie suivante, c'est encore du détail de détail, puisqu'on va travailler sur la sous-catégorisation des subordonnées relatives. Donc, c'est-à-dire que vous avez les subordonnées qui sont une catégorie. Ensuite, vous le savez, les subordonnées relatives qui sont une sous-catégorie. Les subordonnées relatives adjectives qui sont une sous-sous-catégorie. Et puis ensuite, vous avez les subordonnées relatives adjectives qui peuvent être restrictives, explicatives et ou narratives, qui sont donc des sous-sous-sous-catégories de subordonnées. Et même là-dedans, je pense qu'en tirant bien les fils, j'aurais pu encore distinguer, et c'est ce que finalement je m'apprête à faire, dans ce que j'ai fait plus ou moins dans mon texte, à distinguer encore une sous-catégorie supplémentaire. Donc plus on rentre dans le détail, plus on rentre vraiment dans cette récursion, cette fractale. Hein. C'est une image qui n'a pas cessé de me quitter quand j'étais en thèse. Finalement, que je faisais quelque chose de l'ordre de la fractale au niveau syntaxique, puisque je plongeais de plus en plus dans le détail pour trouver à chaque fois la même forme, hein, au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est vraiment la définition par excellence de la récursion, hein, telle qu'on peut la concevoir en grammaire, donc qui est de l'inclusion syntaxique d'une structure au sein d'une autre structure qui partage des traits similaires. Bon. En tout cas, je vais m'arrêter là pour la lecture de ce petit chapitre. Donc, la lecture du dit chapitre elle-même n'a pas été trop longue, finalement, par rapport à la petite heure, à l'heure 20 du stream, mais j'ai passé beaucoup de temps sur l'introduction. Mais c'était nécessaire pour voir un peu tout le parcours intellectuel et la question que l'on pouvait se poser, hein, légitimement sur cet objet. Bon. Du coup, hop. On va quitter le lecteur. Hop, je vais remettre mon écran pour que vous ayez quelque chose à voir pendant que je fais le préparatif. Et donc la semaine prochaine, je pense lire, il faut que je regarde quel article je vais parcourir. Je pense lire des extraits de cet ouvrage-là. Hop, Les noms abstraits, qui est un recueil de sémantique et de références. Sur un texte, des textes réunis par Nelly Flo, Michel Glatini, Didier Samin. Donc je lirai sans doute ça. C'est des actes de colloque de 92. Donc je pense qu'il y aura quelque chose à faire là-dessus. Il faut que je l'explore. Et puis, on va quand même poursuivre notre parcours de la récursion. Cette fois-ci non plus en grammaire, mais dans le cadre du jeu vidéo. Avec le jeu du soir. Alors, je vous avoue que j'étais assez assez pressé de revenir sur ce jeu, puisque hop, on va quitter la musique. Tac. Normalement. Je vais la couper de mon côté également. Hop, voilà. Alors, game. Game captures. Le voilà.
Hop. Et donc nous voilà dans le petit jeu que je m'attendais à refaire depuis quelques jours. Je me suis dit non, je vais me réserver pour le stream, histoire de pas le finir, parce que j'avançais très rapidement là-dedans et c'est très bien. Donc Loop Hero, qui est un jeu tout récemment sorti, ça date du début du mois de mars, de ce mois de mars, et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est le jeu vidéo de la récursion par excellence. C'est-à-dire, c'est un jeu dans lequel on va plus que jamais répéter les mêmes choses, hein, et on va introduire des sections dans d'autres sections, afin de le compliquer. C'est un jeu qui est développé par un développeur russe qui s'appelle Four Quarters. Et déjà, vous voyez l'attention portée en détail, puisque le jeu propose un écran un peu courbé, comme si on était sur l'écran cathodique. Il y a des petites skylines, hein, il y a des écritures façon pixel, alors que l'on peut aussi passer en mode haute résolution comme aujourd'hui, mais aussi en mode dyslexia friendly, donc avec des caractères un peu mieux dessinés, un peu plus espacés pour les personnes qui auraient du mal à lire les textes. Et donc ça, c'est une intention que je trouve très bien. J'espère vraiment que ça se démocratisera, parce que c'est très bien. Moi, j'aime bien jouer en format pixel. Et donc, il y a un petit effet loop, vous voyez, avec des skylines. Alors, si je le désactive, par exemple, vous allez voir immédiatement la différence. Là, vous voyez, on perd les skylines, on perd le côté courbé. Mais personnellement, j'aime bien ce côté. C'est quelque chose que j'ai beaucoup programmé sur mes consoles quand je le pouvais, parce que je trouve ça vraiment très bien, quoi. Enfin, très très efficace. Bon. Alors, en revanche, est-ce que vous entendez le son du jeu? Est-ce que vous entendez la musique sur le chat ou pas? Est-ce que Descript audio, micro, vidéo capture device, j'ai pas l'impression. Non, vous n'entendez pas le son, d'accord. Donc je vais refaire, hop, une. Je vais relancer le jeu. Pour être sûr que ça marche bien. Il y a encore des subtilités que je n'ai pas, hop, récupérées. Alors, là maintenant. Capture de jeu. Voilà, c'est ce que je veux. Ajouter une source. Spécifique, Loop Hero, terminé. Est-ce que là, maintenant, ça ira mieux? Est-ce que vous avez du son encore? Est-ce que vous entendez la musique ou pas du tout? Toujours pas de son. Ah, peut-être là mieux maintenant. Je vais augmenter un peu. Est-ce que là maintenant le son de l'application vous parvient? Parce que après je peux essayer de siffler la musique, mais ça sera toujours pas très pratique. Pas l'impression, non, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que je fais mal? Alors, on va essayer une autre configuration. Hop. Ou alors vraiment très faible au fond. Ah! Donc si. Et là, si j'augmente un peu plus le son.
Là, parfait. D'accord. Alors, j'ai pas encore compris tous les tenants et aboutissants du. Hop. De la structure. Hop, je vais baisser un tout petit peu pour éviter. Est-ce que vous entendez toujours bien la voix sur la musique? C'est pas trop fort? Dites-moi si en cours vous voulez. Parfait, très bien. Alors Loop Hero, donc développé par un développeur russe, Four Quarters, distribué par Devolver Digital. Et c'est un jeu que j'ai vu passer sur internet, je me suis dit tiens, ça semble vraiment très intéressant et ça l'a été. Vous allez comprendre le principe assez simplement. L'univers a été parfaitement éradiqué par une sorte de lich, un squelette à toge qui est descendu un jour du ciel et qui s'est mis à éteindre progressivement les étoiles et à détruire la réalité. Et il n'est resté en fait qu'un petit soldat qui, au fur et à mesure, va recouvrer la mémoire et repeupler la réalité grâce à ses souvenirs. Et pour ce faire, il va en fait devoir arpenter un chemin qui se situe non loin d'une base qui se met à construire avec quelques rares survivants de l'apocalypse. Donc là, c'est ma base avec des mud huts, voilà, des petits cabanons, il y a des centres d'entraînement, j'ai construit une forge, etc. Et donc, il va devoir marcher autour d'un chemin bouclant. Et plus il va marcher sur le chemin, plus il va pouvoir se souvenir de la façon dont le réel existait avant la catastrophe, puisqu'il a lui-même perdu énormément de sa mémoire. Et donc, plus il va ainsi marcher sur cette route, plus il va se rappeler et plus les choses autour de lui vont se métamorphoser. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, le jeu est découpé en chapitres, à ce que j'ai vu. Donc, premier, deuxième, troisième chapitre que je n'ai pas encore fini, puisque la figure ici se colore lorsqu'on affronte le boss, hein. Et j'ai débloqué trois classes pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai s'il y en a d'autres pour l'instant, je ne suis rien spoilé du tout. Donc on commence avec un chevalier, un guerrier, warrior. J'ai ensuite débloqué un voleur, le rogue, donc ça fait très Donjons et Dragons, hein, évidemment. J'aime beaucoup le style, vous allez voir, du jeu. Et j'ai débloqué un nécromant qui ne se bat pas directement, mais qui invoque des squelettes, des guerriers squelettes, pour qu'ils se battent à sa place. Bon. Tiens, bah, je vais laisser les rares spectateurs, spectatrices du chat décider. Quel personnage voulez-vous voir plutôt, le guerrier, le rogue ou le nécromant? Il se joue sensiblement d'une façon distincte, donc le nécromant invoque des squelettes, le guerrier tape très fort. Rogue, eh ben c'est parti, c'est mon préféré en plus. Et le rogue est très rapide et il a deux armes dans chaque main. On va se mettre dans le dernier chapitre que j'ai pas encore débloqué. Et dernier élément, et ça c'est intéressant, le jeu est un jeu à deck. C'est-à-dire que chacune de ces cartes correspond à un souvenir en particulier que nous avons débloqué au fur et à mesure de nos parties. Et donc, ce sont autant d'environnements que l'on va pouvoir faire apparaître sur l'aire de jeu pour provoquer des souvenirs et des apparitions diverses. Alors, il y a des lieux, des cimetières, des villages, des marécages. Il y a des ennemis comme des araignées ou des vampires, des maisons de vampires. Il y a des environnements, de la forêt, du désert, des prés, des prairies. Et puis ensuite, d'autres cartes qui éclairent la route, qui nous permettent d'oublier quelque chose, si on le décide. Et puis des cartes un peu bonus, comme ici, qui permettent de rajouter des espaces d'inventaire, mais en échange de diminuer la qualité des objets. Donc partons, et vous allez voir immédiatement à quoi ça ressemble. Ici, notre point de départ, et tout le long de notre partie, notre petit chevalier qui se trouve ici, regardez comme il est beau, notre petit rogue, va parcourir cette boucle incessamment jusqu'à ce qu'il meure, ou jusqu'à ce que nous arrêtons la partie grâce à ce bouton.
Si on arrête la partie avant d'être entré au camp, on a des malus, on ne récupère pas tout ce qu'on a glané. Si on arrive à revenir au camp, à ce moment-là, on récupère tout le loot qu'on a eu au cours de la partie. Au fur et à mesure des jours, le défilement du jour est symbolisé par cette barre qui va se remplir, des événements apparaissent sur la route. Par exemple, sur une route normale, vous le voyez dans le cadre sur la droite, il y a 5% de chance pour qu'une fois par jour apparaisse un petit slime, c'est-à-dire un ennemi que l'on va devoir affronter. En affrontant des ennemis, on va récupérer du loot pour notre village, pour construire des maisons. On va récupérer des objets d'inventaire. Donc, le rogue a accès à deux armes, une armure et des bottes pour combattre. Et en mettant cette carte-là, je débloque une amulette magique qui me donne des protections. Ici, j'ai mes statistiques générales. Et en combattant des ennemis, on va aussi récupérer des cartes de souvenirs qui vont nous permettre de peupler le monde. Et plus on va peupler le monde, plus il va y avoir d'ennemis, plus il va y avoir de loot, et donc plus on va pouvoir avancer dans la partie. En sachant que à chaque tour de jeu, les ennemis gagnent 2% de points de vie et font un peu plus mal. Si notre barre de vie arrive à 0, évidemment, on meurt et on revient au village. Tout le jeu, et c'est ça qui est intéressant, les combats se font automatiquement. Je n'ai aucun contrôle sur ce que je fais. C'est le personnage attaque automatiquement, les ennemis se déclenchent automatiquement, je n'ai rien à faire. Et en gagnant, je récupère par exemple une carte montagne qui me permet de me rappeler qu'ici il y en avait une. Et ce faisant, cette petite barre commence à se remplir. Et lorsque cette barre sera entièrement remplie, le boss du chapitre apparaîtra. Il faut en moyenne entre 10 et 12 tours pour qu'un boss arrive et que l'on parvienne à finir la partie. Le rogue aussi est un peu particulier. Quand il bat des ennemis, il ne va pas avoir d'objet d'inventaire, mais il gagne des petits trophées qu'il met dans cette poche, dans ce sac. Et une fois qu'on revient au camp, il regarde tout ce qu'il a glané et donc il retrouve tous ces objets d'inventaire qu'il a gagnés au cours du jeu. Donc, le rogue, c'est vraiment du stop and go, quoi. C'est très compliqué de changer son équipement en cours de route, même si on peut l'avoir. Donc, nouveau souvenir. Ici, il y avait un petit bosquet. Et le bosquet nous dit, la fenêtre à droite, spawns a rat wolf, donc un rat, un rodent, tous les deux jours. Et le wolf peut avancer ou reculer sur le chemin. Et donc voilà, au fur et à mesure, on va faire le tour de ce chemin en rajoutant des déserts, en combattant des boss, des ennemis, jusqu'à ce que l'on ait enfin la fin du chapitre en cours. Ce qui est intéressant dans ce jeu, ce que je trouve très fascinant, alors déjà, ce jeu qui est plus ou moins un dungeon crawler en fait, c'est un Diablo très light, on va dire. On avance, on tue un monstre, on prend du loot, on s'équipe pour tuer un monstre plus fort, et ainsi de suite. C'est un peu mon point faible. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. C'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé faire dans les jeux vidéo. J'en ai fait un très très grand nombre. Alors, le petit chiffre à côté des objets d'items indique leur puissance relativement au nombre de tours. C'est-à-dire que là, vous voyez une botte de niveau 2. On va attaquer le tour 2. C'est très bien. Les bottes 1, voilà, vont être un peu plus faibles. La couleur des objets détermine également leur capacité magique. Bleu, il y a une propriété magique en plus. En plus de rajouter un bouclier, l'amulette va augmenter ma vitesse d'attaque. Jaune, c'est deux caractéristiques magiques. Or, c'est trois caractéristiques magiques. Je n'ai pas trouvé d'objets plus rares pour l'instant. Je ne pense pas qu'ils existent. Bon. Donc, ce type de jeu façon Dungeon Crawler, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Toujours trouvé très intrigant.
Et c'est quelque chose qui est... Ah, j'ai pas beaucoup de... Ah, on va privilégier la défense pour la mulette. C'est quelque chose qui est très, très addictif, en fait, dans le cadre du jeu vidéo. Pour moi, j'ai passé vraiment des heures sur Diablo 2, par exemple, et sachant que Blizzard, par exemple, va faire un remake, un remaster de Diablo 2 pour dans les mois qui viennent. Je pense, ouais, que je vais encore passer des heures, des centaines d'heures dessus à Tristram et puis dans Sanctuaire, à tuer du Stremon à la chaîne pour collecter des objets magiques qui me permettent de tuer des ennemis encore plus forts et ainsi de suite. Mais par essence, ce type de jeu qui nous demande de faire constamment les mêmes choses, de marcher toujours sur le même chemin, de tuer les mêmes ennemis, parce qu'au fur et à mesure du temps, les mêmes ennemis réapparaîtront. C'est une expression certes caricaturale et concentrée de ce qu'est un jeu vidéo, mais c'est quelque chose finalement qui est applicable à n'importe quel jeu vidéo, en réalité. Réduit à sa plus simple expression, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Ce n'est jamais que la répétition ad lib, hein, ad libitum, des mêmes boucles de gameplay, ce qu'on appelle les boucles de gameplay. Ouh, une très grosse armure, ça c'est bien ça. Toujours les mêmes gestes, hein, de fait, dans Mario, on finit toujours par sauter. Dans Zelda, on donne des coups d'épée. Dans Professeur Layton ou que sais-je, on résout des énigmes à la chaîne. Et réduite à leur plus simple expression, on ne fait jamais que les mêmes gestes, hein, sur notre manette ou sur notre clavier. On clique, on utilise une touche. On imprime une direction, etc. Donc nous sommes perpétuellement en train de refaire la même chose. Sauf qu'il y a un génie dans le cadre du jeu vidéo, au fur et à mesure du temps, pour transformer ce faire la même chose, cette action de faire toujours la même chose, en quelque chose de neuf. Alors là, vous voyez d'autres petits ennemis qui apparaissent, par exemple les vampires. Qui peuvent invoquer des chauves-souris, Swarms of Bats. Et chaque ennemi, vous le voyez, ont des petites caractéristiques complémentaires, des pouvoirs, des classes qui peuvent interagir avec d'autres, etc. Donc, il y a une synergie de plus en plus prononcée entre les éléments du jeu, et j'apprécie ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous laisser le découvrir si vous êtes intéressé. Et il y a donc ce génie dans l'histoire du jeu vidéo, de dire comment est-ce qu'on fait pour prendre le même et en faire quelque chose de plus, pour donner envie aux gens, aux joueurs, de s'y investir, d'investir du temps, d'investir de l'argent dans dans ces jeux. Vous prenez un jeu comme Pong, par exemple, il peut être très lassant, effectivement, hein, c'est jamais qu'une raquette de tennis qui renvoie encore et encore la même balle jusqu'à ce que la balle disparaisse, que quelqu'un fasse une erreur ou que l'ordinateur gagne. Bon. Mais vous prenez un jeu plus récent comme Mario, une mauvaise langue pourrait dire oui, mais Mario c'est pareil, tu sautes, t'avances, tu sautes, t'avances. Bon. La même critique pourrait se faire. Mon meilleur ami, par exemple, est incapable de s'investir dans un jeu narratif, par exemple, comme The Last of Us Part 2 qui est sorti récemment et qui a été salué pour son histoire, pour ses personnages, etc. C'est un jeu qu'il n'aime pas parce que comme l'histoire ne l'intéresse pas, il n'y a pas suffisamment de variété pour lui dans le gameplay pour justifier le fait qu'il continue à jouer. C'est-à-dire que pour lui, cette illusion de répétition n'est pas satisfaisante. Et ça, je trouve ça assez drôle comme façon de faire et comme la façon dont cela implique une certaine tolérance
de notre part, à l'ennui, à la répétition et à ce concept très important dans les études de jeu qui duquel je n'ai pas encore fait totalement le tour mais que je trouve très fascinant et qui est très vieux du reste, c'est la notion d'engagement ou que l'on entend parfois appeler la notion de flow. L-F-O-W en anglais. Vous avez dû entendre parler de ça au détour de tel ou tel article. Le flow, c'est ce sentiment que l'on a lorsque l'on accomplit une tâche assez répétitive par nature. Que ce soit conduire, que ce soit jouer à un jeu vidéo, que ce soit marcher, lire, écouter de la musique, c'est un sentiment assez intrigant de perte totale dans l'objet que l'on est, ou dans l'activité que l'on est en train de faire. Le flow, c'est écouter un album de musique, ah ben enfin, quelques armes, parce que sinon... Sinon, la partie allait être très courte, celle-ci. Il y a cette... on écoute un album de musique, et la musique est tellement englobante, tellement belle, elle nous plaît tellement bien, que tout d'un coup, nous sentons comme décorporés et totalement plongés dans la musique qui passe. On s'abandonne. C'est le terme qu'on employait. On s'abandonne totalement à la musique. C'est un sentiment, je pense, que vous avez dû déjà sentir. Hein. Ou bien alors, quand on conduit, vous savez, ça nous arrive de conduire quand on est sur l'autoroute. Moi, ça m'arrive périodiquement. Moi, maintenant, parce que je conduis moins qu'auparavant. Mais on est sur l'autoroute et puis on ne voit plus le temps passer. On est totalement emporté par la tâche alors qu'on continue à faire des actions assez complexes. Hein, on ralentit, on double, on passe la vitesse. Bon. Mais le temps ne semble plus avoir de prise sur nous. C'est bien pour ça d'ailleurs que statistiquement, les accidents se produisent beaucoup autour du lieu de domicile, puisque c'est là où cet état d'engagement, d'habitude, hein, est le plus fréquemment trouvé. Alors, on a gagné un niveau, qu'est-ce qu'on va prendre ? Le Rat Wolf, c'est toujours mon préféré. Il y aura un petit rat qui peut apparaître de temps à autre pour nous aider à combattre. Il y a ce sentiment que l'on n'est plus tout à fait à ce qu'on est et qu'il se produit quelque chose qui nous transcende, qui vraiment qui s'exprime à proprement parler, et qui nous plonge totalement dans l'activité que l'on est en train de faire. Et ça, c'est dans le domaine du jeu, dans le domaine des études ludiques, ce que l'on appelle le flow, l'engagement. On a traduit ça généralement en français dans la littérature, sous cette forme-là, l'engagement. Bon, c'est un terme que je ne trouve pas toujours bien heureux, je dois dire, mais, ma foi, c'est un terme qui maintenant fait école, donc autant le reprendre. Et donc, ce sentiment d'engagement, donc là, vous voyez, ça se remplit. J'ai mis un petit village avec des champs. Ici, il y a des manoirs de vampires. Ici, il y a un poste de guet, un temple qui produit de l'électricité. Progressivement, ce monde se peuple hein, au fur et à mesure. Et donc, l'engagement, c'est la façon dont, dans le domaine du jeu, les joueurs acceptent de continuer à jouer, à être dans le jeu. Vraiment, être en jeu. Et il y a cette caractéristique-là que cherchent à atteindre tous les développeurs de jeux vidéo, que cherchent à atteindre tous les constructeurs, développeurs de jeux de société, etc. C'est comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les joueurs et les joueuses continuent de jouer à ce que je leur propose. Parce que le plus grand danger que l'on a en jouant, que ce soit en jouant à un jeu vidéo comme celui-ci, ou jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, etc., Le plus grand des dangers, c'est pas de perdre quand on est joueur, quand on est joueuse. Le plus grand danger, c'est de s'ennuyer. Et donc, il y a une stratégie assez particulière à développer, et qu'il faut développer,
pour éviter de s'ennuyer. Et pour éviter de s'ennuyer, il y a plusieurs stratégies qu'ont pu développer les joueurs, les développeurs au fur et à mesure du temps. Là, vous voyez, j'ai mis 9 rochers côte à côte, ça a donné une montagne de laquelle vont apparaître progressivement des harpies qui vont venir envahir ma zone de jeu. Pour convaincre quelqu'un de continuer à jouer, il y a plusieurs façons de faire. On peut proposer des récompenses. Ça, c'est encore quelque chose d'assez d'assez fréquent, hein, dans quel que soit le type de jeu que vous considérez. Vous faites une tombola, vous subissez une partie de bingo, parce que on vous dit qu'à la fin, il y aura un jambon, il y aura un prix, une timbale à décrocher. Ça, c'est un premier point. On peut continuer à jouer parce que on gagne un bénéfice particulier d'amusement, de bien-être, qui nous invite à continuer à jouer. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, il y a des jeux qui me calment immédiatement. Je joue à une partie et je rentre immédiatement dans cette disposition de flow et d'engagement. C'est notamment, moi, c'est les jeux de plateforme. C'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué, comme Donkey Kong Country 2, auquel je jouerai vraisemblablement à un moment donné en stream, parce que je le fais très régulièrement, ou Zelda 3. C'est une partie, c'est un jeu qui me met immédiatement dans une phase de flow, d'engagement maximal, je sais. Et puis, vous avez des engagements liés avec l'aspect mécanique, répétitif, voire laborieux de ce que vous êtes en train de faire. Eh ben disons, je n'ai pas du tout d'armes dans cette partie, c'est impressionnant. Alors c'est ça l'un des gros problèmes du jeu, évidemment, c'est que nous sommes dépendants du loot pour avancer, comme dans beaucoup de jeux de cet ordre. Bon, on va privilégier l'évasion. Et donc quand la chance n'est pas de notre côté, c'est un peu plus gênant. On va garder ça, on va rajouter des montagnes. Lorsque l'on met trop de montagnes, ça fait apparaître un village de gobelins. Et ils sont très très agressifs, les gobelins. Donc moi, généralement, ma stratégie, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent, c'est d'oublier qu'il y avait un village de gobelins. Il y a quelque chose de philosophique, en mode on oublie ce qui ne nous arrange pas dans ce jeu. Comme si en oubliant les problèmes que l'on rencontrait, ça pouvait nous permettre d'être plus serein. Peut-être. Et donc, la nature répétitive, itérative, récursive de certains jeux peuvent nous permettre d'atteindre cet aspect de flow que l'on a dans le jeu vidéo. Un exemple assez récent que je peux donner et qui me semble très parlant, c'est encore tout récemment, j'ai refait Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, ce n'est pas forcément le Final Fantasy que je préfère, loin de là. Je préfère le 6, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. Mais l'un des éléments clés de Final Fantasy VII, c'est qu'il nous donne accès très rapidement, dans l'économie de son histoire, au dernier donjon du jeu, le cratère où va se cacher Sephiroth. Sauf que si on suit l'histoire normalement, donc linéairement comme ça nous est demandé, et que l'on va directement dans le cratère nord dès qu'on en a la possibilité, donc dès le dernier disque du jeu, nous sommes trop faibles pour affronter le boss de fin. C'est-à-dire que en faisant le jeu tranquillement, sans s'arrêter particulièrement pour faire de l'expérience, ou en ne faisant pas les quêtes cachées, particulièrement en suivant l'histoire, on arrive au cratère nord avec un niveau aux alentours, on va dire, de 50 sur 100, un niveau 50, alors que pour battre le boss de fin et pour être à l'aise, il faut être
à un niveau entre 65 et 70. Donc on peut très bien aller affronter le dernier boss, et il y a beaucoup de boss qui... Il y a beaucoup de speedrunners qui le font sans difficulté aucune. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir des speedrunners de Final Fantasy VII, parce qu'ils arrivent vraiment à des niveaux très bas dans le cratère nord, et ils arrivent avec leur équipement par vaincre le boss de fin. Bon. On est obligé dans tous les cas, et pour un joueur normal, je suis un joueur normal de Final Fantasy, de faire un peu de grind pour parvenir à finir le jeu. Et donc on est obligé de multiplier les rencontres encore et encore, puisque les rares boss facultatifs qui se trouvent dans le jeu sont de toute façon trop forts pour qu'on puisse les affronter et faire de l'expérience. Il nous faut être même plus fort que ce qui est attendu pour le boss de fin pour pouvoir les vaincre. Ce qui est un peu dommage en termes de gestion de la difficulté, mais c'est un autre problème. Et donc je me suis retrouvé à faire pendant une heure, deux heures de temps de l'expérience. Du grind. Encore et encore. À perpétuellement tuer les mêmes ennemis qui rapportaient le plus de points possible, et puis augmenter mon équipement, améliorer mes sorts, etc. Et ça pendant une à deux heures de temps. Et en faisant ça, en faisant cette quête très itérative, très récursive, finalement, bah, time flies. On va parvenir à atteindre ce flow. Tous les jeux vidéo, jusqu'à un certain point de maîtrise, finissent par atteindre un aspect de flow, un élément, on va dire, de progression très naturelle, de répétition, de répétitivité. Pour les joueurs et les joueuses, quels qu'ils soient, et notamment, et c'est ça qui est intéressant, très bien ça, et notamment les jeux comme les Dungeon Crawler, qui par essence sont des jeux répétitifs par nature, les Diablo 2, les Neverwinter Nights, les Loop Hero, sont des jeux répétitifs par excellence, mais les jeux de plateforme, les jeux d'action, les jeux de rôle, atteignent un niveau de répétitivité constamment, puisqu'on ne peut pas toujours proposer un nouveau type de gameplay et s'attendre à ce que le joueur, à ce que le personnage comprenne toujours ce qui se passe. Nous, quand à tous les deux villages, un camp de bandits apparaît, les bandits, comme les gobelins, sont très durs à tuer généralement. J'oublie qu'il y a des bandits. Mon village est calme, je dis. Toute la question est alors de savoir à quel moment un jeu vidéo cesse d'être intrigant, intéressant, passionnant pour le joueur, et à quel moment sa répétition devient telle que le flow se brise. Et ça, c'est un équilibre qui est incroyablement difficile à trouver. Et c'est un équilibre qui redevient aujourd'hui pertinent à obtenir. Parce que cet équilibre-là, entre le flow, la répétition et l'amusement, on va dire, l'intérêt de la partie, elle est au cœur d'une partie de l'histoire du jeu vidéo. D'une façon assez logique, finalement. La première vie de l'histoire des jeux vidéo, et j'aime bien toujours revenir à l'histoire du jeu vidéo, puisque le jeu vidéo, avant d'être un art, avant d'être un média, c'est avant tout une aventure industrielle, comme le cinéma, et donc il ne faut pas l'éliminer de ses contextes de production. Le jeu vidéo, au début, a surtout eu une première grande vie dans les bornes d'arcade.
Or, le principe d'une borne d'arcade, c'est de payer une certaine somme pour avoir le droit d'y jouer. Et c'est une somme généralement petite. C'est de l'ordre, alors c'est du quarter, c'est 1 euro, 2 euros, plus en fonction des bornes. Bon, mais ça reste en tout cas bien moins cher qu'un jeu neuf, même dématérialisé souvent. Et donc le concept pour les développeurs de bornes, les développeurs de jeux d'arcade, c'est d'inviter les joueurs, les joueuses évidemment, à mettre le plus d'argent possible dans la borne. C'est ça qui intéresse, puisque le développement d'un jeu coûte cher, et donc si l'on ne met pas assez d'argent dans la borne, bah, on ne rentre pas dans ses frais. Donc il faut trouver un moyen pour que le joueur soit tout le temps invité à remettre des crédits, de l'argent, dans la borne d'arcade et qu'il continue sa partie ad libitum. Et donc il faut toujours lui proposer de nouvelles stratégies pour qu'il mette la pièce dans la borne et qu'il continue ainsi à jouer. Alors les stratégies développées à l'époque par les développeurs, elles étaient multiples. Tout bêtement, une indication de high score, hein, de plus haut score de borne, ça pouvait créer une émulation, une compétition dans la borne d'arcade qui allait à ce moment-là inviter les gens à dépenser de plus en plus d'argent pour continuer leur partie. Vous avez aussi des stratégies du type, et ça c'est assez intéressant, c'est assez fréquent, on montre l'endroit où vous êtes par rapport à la progression du niveau pour vous dire, regardez là comme vous étiez pas loin de terminer le jeu, ah là là, si seulement vous rajoutiez un crédit, je suis persuadé que là vous continuerez. C'est ce qui se passe par exemple dans un jeu comme Ghosts and Goblins en arcade, puisque l'intérêt de Ghosts and Goblins, c'est quand on meurt, de montrer un checkpoint et la progression de l'aventure. Donc, et ça, c'est pas fait tout d'abord à des fins narratives, même si c'est interprété et reconsidéré narrativement, hein, avec le parcours du personnage, mais c'est aussi à destination des joueurs et des joueuses pour les inviter à remettre un crédit en disant, ben là, regardez, vous étiez à deux pas du boss, remettez quelques crédits et vous pourrez continuer. Or, cette stratégie-là, ces stratégies-là, lorsque les jeux d'arcade sont concurrencés par des jeux console, donc à la maison, bah, ces stratégies-là ne fonctionnent plus. Puisque acheter un jeu à la maison, c'est débourser une très lourde somme d'un coup par rapport à l'arcade. C'est-à-dire que vous avez des jeux qui coûtent 20-30 dollars à l'époque, avant la crise de 83, donc c'est quand même une petite somme, 15 s'ils sont en occasion, puis ensuite on est à du 400, 500, 600 francs dans les années 90, et aujourd'hui un jeu neuf, boîte, ça peut monter jusqu'à 70 euros, donc c'est un petit investissement, et là, à ce moment-là, on ne peut plus avoir de carottes, il n'y a plus besoin d'avoir de carottes pour faire jouer le joueur, ou du moins, il ne faut plus avoir ces carottes-là pour le faire jouer. Parce que comprenez bien, autant on peut dire à un jeu d'arcade, si il faut que tu fasses un haut score pour pouvoir mettre tes initiales et ainsi faire savoir au monde entier à quel point tu es fort à Mortal Kombat, bon, autant dans le cadre d'un jeu maison, on a généralement personne à impressionner. Et donc on va voir alors apparaître d'autres stratégies. Hein, de complications, hein, d'autres éléments d'engagement qui n'existaient pas auparavant. On va voir se développer des jeux de plus en plus narratifs. Pourquoi ? Parce que la narration, c'est une forme d'engagement. Savoir la suite de l'histoire dans un jeu de rôle, pour prendre cet exemple-là, pour prendre cet exemple éculé, eh bien, ça invite à continuer de jouer. Et tant mieux, puisque les jeux de rôle, généralement, ce sont des jeux qui ont des dizaines et des dizaines d'heures, normalement, pour les terminer. Vous avez des modes de difficulté qui apparaissent. Parce que, d'accord, vous avez su terminer le jeu en mode normal ou facile, mais est-ce que vous arriveriez à le faire en mode hard
ou super hard? Est-ce que vous arriverez à faire un perfect au fur et à mesure? On a augmenté ça. Et puis, sont arrivés ensuite les trophées, par exemple. Que ce soit sur Steam ou sur PlayStation ou Xbox, les trophées de platine. Et les trophées que l'on débloque, non seulement en continuant la partie, mais également en remportant des challenges annexes ou cachés, etc. Tout ça, ce sont des stratégies d'engagement qui sont là pour inviter le joueur à continuer sa partie et puis surtout à éviter qu'il ne revende la cartouche en occasion et qu'il continue à jouer de plus en plus à la partie. Cette question de l'engagement, elle est devenue cruciale dans un jeu indépendant comme celui-ci, puisque sa réputation va se faire et se défaire en fonction du temps qu'il... Oh, j'ai du bon loot là. J'ai bien fait de continuer. En fonction du temps qu'il va continuer de passer sur le jeu et en parler sur les réseaux sociaux et inviter d'autres personnes à y jouer et ainsi de suite, hein, afin de créer véritablement une émulation positive, un engagement, un flow, malgré sa réputation inhérente. Malgré sa répétition inhérente, malgré son itération. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous parle, et puis regardez comme le monde, notre petit chemin simple s'est multiplié, a grossi au fur et à mesure, comme autant de germes spontanément apparus. Il y a des temples de foudre qui envoient régulièrement de la foudre sur leurs assises et leurs ordonnées, sur les ennemis, comme sur moi-même, lorsque j'arrive. Il y a des villages de doppelgangers issus des monstres de la forêt, lorsque, à fur et à mesure que j'ai planté des bosquets. Vous avez des balises qui éclairent le chemin et accélèrent la progression. Vous avez des villages qui, lorsque je passe en leur sein, me soignent, mais également me donnent des quêtes à faire, c'est-à-dire de tuer un ennemi qui va avoir sa barre de vie doublée lorsque je vais le rencontrer. Vous avez des manoirs de vampires, vous avez des champs dans lesquels apparaissent des épouvantails animés par la magie. À quel moment la récursion est devenue quelque chose d'autre et à quel moment la récursion va arrêter d'être le même? Ça, c'est l'enjeu derrière tous les jeux vidéo réduits à leur plus simple expression. Toute chose égale par ailleurs, et c'est ça que je trouve intéressant dans le cadre du jeu également, ce que je viens de dire sur le jeu vidéo comme structure de répétition, mutatis mutandis, ça peut trouver à s'appliquer dans toutes les activités humaines. Dire qu'un jeu vidéo c'est toujours refaire la même chose, un cinéaste, un cinéphile pourrait très bien me dire, oui, bah, regarder un film, c'est être assis et puis ouvrir les yeux. Lire un livre, c'est tourner des pages. Quality of Exchange Loop. Oh. On va prendre ça. On peut dire que peindre, en ce moment, je refais du Warhammer. Hein. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu peut-être des petites photos de figurines que je suis en train de peindre en ce moment. C'est un vice qui m'avait abandonné pendant plusieurs dizaines d'années et que je reprends aujourd'hui. Bon, c'est faire le même petit coup de pinceau. Évidemment que chaque activité réduite à sa plus simple expression s'interprète comme une répétition partielle ou totale. Mais l'essence du jeu vidéo par rapport à ça, c'est que la répétition, il me semble, est constitutive de son identité primordiale. Alors que pour les autres activités humaines, c'est quelque chose qui en émane après sa constitution. Le jeu vidéo, c'est de la programmation informatique. C'est un programme. Or, un programme, la destinée de ce programme, c'est de pouvoir être répété avec le même, en fait. Le concept d'un algorithme, d'un programme comme Python, c'est soit de tourner indéfiniment, donc sans qu'il y ait d'arrêt en particulier, soit de reprendre au pied levé avec les mêmes paramètres et en donnant
toujours les mêmes résultats. C'est une fonction mathématique. Et une fonction mathématique, c'est de la machine à produire du même. C'est de la machine à produire du semblable. Quelque part, la langue humaine, et c'est ça qui est intéressant, a le même rôle de production de semblable. Mais la répétition, il me semble, l'emporte davantage sur le même. Alors qu'un jeu vidéo, comme application d'un programme, va constamment reproduire les mêmes actions. Combien de blobs a-t-on tué depuis le début? Combien? On a fait 7 tours depuis le début de cette partie. Mais cette répétition, que l'on modifie progressivement en ajoutant un ennemi là, un décor ici, ben, finalement, est-ce que ça continue à être de la répétition? Est-ce que ça finit pas par se transcender pour devenir quelque chose d'autre? Ici, je n'ai fait que de mettre des cartes, mais regardez, la grande forêt du sud, où vivent des temples oubliés qui produisent des décharges électriques de temps à autre, sans doute d'une peuplade oubliée. Ce désert du mystère qu'annonce une balise éclairant les pauvres voyageurs qui seront bientôt déshydratés s'ils osent franchir sa frontière. Les montagnes aux harpies, ou des temples au trésor qu'explorent de vaillants aventuriers n'ont pas encore peut-être délivré tous leurs secrets. À peu de choses près, par rapport à la façon dont nous avons commencé ce niveau, ben nous avons un petit chapitre de jeu d'aventure, finalement. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans Loop Hero. Il y a un plaisir dans Loop Hero, et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas comme ça que je l'ai abordé dans Ludographie Comparée, puisque j'en ai parlé dans Ludographie Comparée, dans l'émission de cette semaine. Je me suis beaucoup intéressé justement à cette récursion, à cette itération. Mais il y a quelque chose qui se passe dans Loop Hero aussi, du côté méta-vidéoludique, puisque quelque part, depuis que nous commençons à jouer, nous sommes un peu comme des sortes de créateurs de jeux vidéo nous-mêmes. Et nous mettons, grâce à un petit programme simplifié, hein, peut-on dire, des éléments de décor, des ennemis, on construit notre propre petite map, hein, de jeu, afin d'avoir l'élément le plus agréable possible. Et l'élément le plus agréable possible pour nous ici, c'est celle qui nous permettra de terminer la partie et donc de continuer à jouer. Puisque si on fait quelque chose de trop compliqué pour nous, eh bien mathématiquement, on perdra. Et donc on arrêtera de jouer. Et donc on se situe nous-mêmes dans cette situation particulière, très paradoxale de jeu, où nous jouons pour avoir l'envie de continuer à jouer. Et c'est ça que je trouve de plus fascinant dans Loop Hero. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu exprimer en aussi nettement jusqu'à présent. Des jeux qui sont autour d'un concept fort ici et qui s'amusent à reproduire cette répétition et puis hein, d'indiquer encore et encore, de produire encore et encore les mêmes résultats en changeant l'un ou l'autre paramètre. Il y en a un certain nombre, mais je trouve que Loop Hero apporte quelque chose d'assez neuf dans cette problématique, et en tout cas j'ai été assez sous le charme. Après il faut dire aussi que je suis toujours charmé par l'esthétique rétro qu'il développe et que l'on a, ça je ne vais pas le nier. Mais voilà, je trouve qu'il y a là quelque chose dans ce jeu qui mérite le détour, et donc bon, ma foi, ça fait une ou deux semaines que je l'ai. Alors je ne pense pas que le jeu soit très très vieux, très long. Alors peut-être qu'il y a des choses annexes à faire plus tard au niveau du village ou que sais-je. Mais voilà, je pense qu'il a vu une nez, il semble pouvoir occuper pendant une petite dizaine d'heures, ce qui est plus honorable pour un jeu de cette stature. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a de belles choses en loot, je suis assez content. Le run commençait assez mollement, et puis finalement on a eu raison de continuer. Enfin, je trouve que là c'est assez intéressant. Alors, counter, evasion bonus.
Ouais. On va augmenter ça. Il coûte vraiment. Enfin, sans faire particulièrement l'article, hein, au niveau du jeu. On va augmenter les dégâts critiques. Ça me semble bien. Il coûte une quinzaine de. Ah oui, plutôt oui. Il coûte une dizaine, quinzaine d'euros, je crois, sur Steam. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible sur d'autres plateformes que l'ordinateur pour l'instant. Je me trompe peut-être, c'est possible. Vraiment, j'y ai passé plusieurs heures sans m'en rendre compte. J'ai vraiment trouvé ça très intelligent, très pertinent, très malin, avec vraiment beaucoup de possibilités de jeu. Puisqu'au fur et à mesure, la synergie entre les environnements se complète, les ennemis se donnent des avantages et des inconvénients en fonction de la façon dont dont on les met les uns avec les autres. Il y a plein de petites possibilités cachées dans le jeu, je pense. Et voilà, c'est vraiment une très bonne surprise. Bon. Mine 2, ça va faire 1 heure que je parle sans interruption. Comme quoi, je vois pas le temps passer avec ce jeu. Vous voyez, toujours la notion de flow et d'engagement. Hein, je trouve ça assez intéressant. Je vais essayer de terminer ce chapitre. Je ne l'ai jamais terminé encore, je vous le disais. Vous voyez que nous ne sommes vraiment pas loin. Hein, en moyenne, il faut une dizaine de tours pour atteindre le boss. D'une section, d'après ce que j'ai vu. Alors, par contre, en parlant, j'ai perdu le fil des montagnes. J'aimerais pas faire venir des gobelins parce que c'est vraiment à éviter. Par contre, oui, ça on va mettre. Bah, allez. Ah oui, ça fait apparaître un village de gobelins, c'est bien ce qui me semblait. Heureusement, il apparaît assez tôt dans la map. Ça devrait pas poser trop de problèmes malgré tout. Mais si j'ai une carte d'oubli, il me faudra l'utiliser sur le village de gobelins. Et je vais essayer de terminer la partie. Bon, le chapitre, je suis vraiment pas loin. Oh oui, je suis pas loin du tout. Fekat Outpost. Hop. Je ne suis pas sûr que les outposts peuvent m'aider contre les boss, mais. Ah, allez! Je parviendrai peut-être à terminer la. La partie. Oui! Arrive le boss! Première fois que je vais le voir, je vais le découvrir avec vous. On va essayer de le vaincre. Hop. Je pensais pas terminer cette section de jeu ce soir, enfin ce chapitre-là. J'ai eu beaucoup de chance finalement dans le. dans la façon. Donc bon, on va croiser les doigts. Je sais pas si je vaincrai le boss, mais. Déjà, on va essayer de l'atteindre. Oh oui. Oblivion. Ne faisons pas. Hop, ouais. On va rajouter encore du décor. Alors, Mido, on approche, on approche. Temporal Beacon. Hop, on va accélérer encore le temps ici. T'as un genre de trou noir qui est apparu en boss. Alors, le premier boss du jeu était la Liche que l'on voit dans l'introduction qui nous fait dire que il y a quelque chose de pas normal qui se passe, que normalement j'aurais dû disparaître
avec tout le monde et que ça s'est pas fait et que du coup voilà je joue avec des forces qui me dépassent. Le deuxième boss était une sorte de sorcière qui manipulait les miroirs, qui utilisait les miroirs pour attaquer et qui m'en a dit un peu plus sur le jeu, sur l'histoire et notamment spoiler alert si jamais voilà couper les prochaines secondes où je vais dire ça. Il y a une apparemment c'est Dieu lui-même sans précision qui a exigé que cet univers soit détruit et apparemment il n'en était pas à sa première à son premier rodéo si je puis dire. Et donc le troisième boss, on y arrive, je ne sais pas qui c'est, j'espère avoir partir. Ouais, j'ai pas mal de. J'ai 5 potions. Allez, normalement, ça devrait aller. Le boss du chapitre 3, je le découvre avec vous. Quel est-il? Oh. Know your place, dog. Alors déjà, je m'appelle Mathieu, mais soit. Not the most polite greeting I've heard. Effectivement. Oh, excuse me. I wasn't talking to you. My royal hounds like to fool around sometimes. Keeping discipline is important. Oh, c'est un genre de chasseur à mousquet, c'est intéressant. Wouf. Le chien trop noir. C'est rigolo. And as for you, my little hero, know your place, dog. Who the hell are you? Oh, well, let's see. Sometimes a leader rises to cause a whole herd in the pen, but not without a reason, of course. And as you start killing them, a couple of bulls break the fence and escape into the forest. But that won't do. No. You need to kill every one of them. That's the point, you know. And that is where the hunter comes in. He will track down every rebellious bull and shoot it. So, don't even try talking to me about politeness, my little hero. How polite is it of you not only to avoid world annihilation, but to resist this magnificent process? I've heard enough of this kind of talk. I beg your pardon? All of you have this wonderful and profound motivation to participate in the cataclysm. And every one of you ignores the fact that we all want to keep living. It stinks to be exterminated, you know. That, voilà, ça, c'est la phrase du jeu, je pense qu'on... Voilà, au niveau de l'histoire du jeu, je pense qu'on peut arrêter là. Ça n'ira pas mieux que ça. Enfin, pour moi, je pense que c'est la meilleure phrase du jeu. Frankly speaking, I don't give a damn. On se croirait dans autant, n'importe le vent. I just enjoy hunting. And now, if you'll excuse me, I will feed the remains of your world to my hands. They will eat in all... They will eat it all in one bite, as if their stomachs were black holes. I hope you're as bad at hunting as you are at jokes. Never mind. You will get my joke very soon. Get him! Woof. Hello, Hunter. Cosmic, as a soul, the kennel. Damage is increased by 100% and 30% max in heal after the death of an ally. Donc quand je vais tuer des chiens, il va récupérer de la vie et il va augmenter ses dégâts. Hunter's Horn. Il augmente la puissance d'attaque de ses chiens. Star Gunpowder. Force the hero to stop attacking and attack another target instead. Et never misses le chien. The kennel damage is increased. D'accord, donc quand on tue un allié, le chien est plus fort aussi. Jump escape to the astral plane after 3 hits and forces the hero to attack another target. Returns after 3 attacks and deals a critical hit with
250% damage. Wow. Bah, de toute façon, j'ai peu de contrôle. Donc, allons-y. Heureusement, j'ai mon toutou qui m'aide. Et j'ai le gardien d'outpost. Allez, allez, allez. Le chien, le hunter est mort. Et je suis mort moi-même. Ah, oh, ce n'était vraiment pas loin. Tonnerre. Ah là là là, quel dommage. En mourant, du coup, je perds les deux tiers de ce que j'ai récupéré pendant la partie. Et si on a trois petits crânes qui sont des objets un peu rares, on peut tout récupérer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis vraiment... c'est vraiment bête, surtout que j'avais encore des potions, mais il les a pas activées parce que ma vie est descendue trop vite. C'est vraiment dommage. Mais ça s'est joué à pas grand-chose, donc je pense que la prochaine fois, on gagnera. Quoi qu'il en soit, en revenant au village, on récupère plein de petits éléments de construction. On peut... construire des fermes, des gyms, rivières, des forêts. Alors je n'ai pas encore de quoi faire la forêt. Par contre, on peut refaire la rivière. Par contre, on va refaire une forêt. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mud hut ou farm. On va faire une ferme. Non. Oh si. Hop, une ferme pour étendre le village. On va en refaire une ici pour l'étendre également. Voilà. Comme ça va être bien carré. Et je pense que c'est tout ce que je peux faire dans mon arbre. Oui, tout à fait. Craft. Et donc voilà, ça sera tout pour ce soir. Alors, l'encyclopédie m'a permis de voir un peu plus permet de voir les caractéristiques de toutes les cartes que l'on a débloquées, de tous les ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis qu'on n'a pas vus, parce que voilà, ça fait partie des cartes que l'on n'a pas vues. Donc il doit y avoir du coup un dernier chapitre après celui-ci, c'est bien ce que je pensais. Donc le premier boss... Ah, on a même les dialogues qui se débloquent au fur et à mesure qu'on les rencontre. Donc il faudra que j'aille... voir un peu les différents dialogues que me donnent les boss. Bref, voilà, un jeu que je vous recommande si vous aimez ce type de dungeon crawler. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire dessus. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Hop, on va quitter. Exit. Hop, je vais remettre mon fond d'écran, voilà. Avatar. Le temps de vous dire bonsoir. Alors, merci à celles et ceux qui sont passés, hein, peu nombreux ce soir. Alors, le 1er avril, peut-être qu'il y avait des choses à faire, des discours des présidents, que sais-je, bon, tant pis. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passés. Le live, le stream sera mis en ligne sur YouTube et il sera disponible en replay, évidemment, sur Twitch pour celles et ceux qui le voudront. Et puis voilà. À bientôt, sans doute la semaine prochaine, hein, sur un autre jeu, pour parler des noms abstraits, je pense. Je ne sais pas encore quel article, je vais lire ça, et puis choisir un jeu idoine pour réfléchir à ça avec vous, dans l'articulation entre le langage, la linguistique et le jeu vidéo. Passez une bonne soirée, et puis... à bientôt pour celles et ceux qui veulent. Salut !